Oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous pour cette réunion d'information et d'échange. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, bienvenue pour cette soirée. L'idée, c'est justement de vous informer, d'échanger ensemble, de porter une réflexion sur le projet éolien. Nous aurons l'opportunité d'avoir un échange à l'issue de cette présentation. Et ce soir, nous avons aussi sur cette table... nous accueillons Jean-Yves Guidouette qui sera justement en charge de faire une présentation sur l'aspect environnemental, adjoint à l'urbanisme. Monsieur Guy Desgueux qui justement lui animera la partie débat. Monsieur le maire qui dans quelques instants nous fera une introduction et qui fixera les objectifs de cette réunion d'information. Et monsieur Lucas d'Énergie 22, SDE 22, ingénieur qui apportera justement son expertise technique. Dans un premier temps, nous fixerons les objectifs de cette réunion. L'idée sera aussi d'apporter justement des informations sur le contexte. Pourquoi en sommes-nous arrivés ce soir à nous réunir pour cette réunion d'information? Il y aura aussi des informations sur l'éolien d'une manière générale. Puis l'historique des échanges et des actions que la municipalité a menées ces dernières semaines sur ce thème. Nous parlerons aussi de la zone d'implantation potentielle et nous terminerons cette soirée par un temps de questions d'échange et d'intervention de votre part. Je laisse la parole à M. le maire. Transition énergétique, des enjeux pour du territoire. Mesdames, Messieurs, chers collègues, dans vos diversités, mais je vois des élus, je vois des collègues du conseil municipal, des présidents d'associations à laquelle, ils sont nos relais locaux à nous et qu'on souhaitait inviter, je vois beaucoup de citoyens, y compris de communes voisines. Je voulais simplement vous faire part tout de suite de bien vouloir excuser Monsieur Philippe Legout, le maire de Pléguien. Dans votre diversité, tout d'abord, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour vous, vos familles et vos proches. Avec vous, je formule les vœux d'une société plus solidaire, plus juste, plus apaisée. Dans cette République du quotidien, en tous les cas, ce langage que j'utilise volontiers, nous avons à nous engager pour l'écoute, le respect, le partage, la souveraineté des décisions. C'est l'exercice que nous avons à produire ensemble sur le projet éolien Ploua pour en Pléguien. Mesdames, Messieurs, rien n'est décidé. Des démarches et expressions différentes ont eu lieu sur les communes voisines. L'une par l'expression publique de son maire, l'autre par une réunion publique avec les riverains et la position de leur maire également par voie de presse. Nous avons fait le choix, et j'en assume la méthode, une rencontre de terrain avec les riverains, un second temps de réunion publique ce soir, puis un vote lors du prochain conseil municipal du 24 janvier. Cette réunion d'information et d'échange doit nous être utile. J'assigne à celle-ci d'apporter des éléments d'éclairage aux conseillers municipaux qui devront se prononcer, d'avoir un débat suffisamment riche leur permettant de décider en conscience, et de préparer à l'issue de ce soir une délibération soumise à ce conseil lors de sa prochaine séance. Également, pour marquer une démarche, je vous propose que celle-ci soit coécrite, la délibération, par un élu de la municipalité, de la majorité, et un élu de l'opposition. Je vous propose que cette coécriture à deux mains, à deux voix, soit paritaire. Je propose donc comme rédacteur Madame Béatrix Bazin et Monsieur Jean-Marie Leroy. Quels enjeux sont devant nous, à l'échelle mondiale, comme à celle de notre pays, de la région et de nos communes? Les choix en matière d'énergie conditionnent pour beaucoup notre avenir. Ils sont de plus en plus au cœur des débats politiques, qu'il s'agisse du droit à l'énergie, des enjeux climatiques, de la politique énergétique, du bilan de la déréglementation et de la privatisation dans ce secteur de services publics. À tout niveau, des propositions doivent émerger avec l'ambition de concilier réponse aux besoins humains et écologie concrète. Les défis sont nombreux pour y parvenir.
comment et à quel délai atteindre le mix énergétique? Quel engagement public d'État en faveur de la recherche, de l'industrie, d'emplois qualifiés, de financements échappant aux seuls critères financiers? Quel horizon en Bretagne où notre dépendance énergétique est entière aux régions voisines? Pour les citer, Chinon pour la filière nucléaire et Cordemais avec ses deux unités de production de charbon. Dans le monde, 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'énergie. En France, l'Observatoire national de la précarité énergétique dénombre 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique. À nos portes, sur notre commune, par l'action sociale, nous intervenons pour pallier aux conséquences de cette précarité qui, sur les impayés, l'endettement progressif ou l'approvisionnement en chauffage. Les transitions ne sont pas nouvelles en matière énergétique. Nous les avons connues au fil de notre évolution. Mais nous avons l'obligation de regarder le monde les yeux grands ouverts sur la responsabilité climatique qui est la nôtre, tel que concrètement le retrait du prêt de. Mais nous avons encore la responsabilité de l'intérêt général de fournir aux populations l'accès à l'énergie la plus durable possible et quotidienne. Le débat que nous aurons ce soir ne peut être, à mon sens, et je pense qu'il est partagé très largement dans cette salle, le débat que nous aurons ce soir ne peut être binaire, avec en seule réponse oui ou non à la question posée au Conseil municipal. Nous souhaitons donc qu'il ouvre un débat responsable et que nous devons poursuivre à l'échelle de la Bretagne et du territoire. Je veux, au-delà des questionnements, positions, intérêts, nous rassembler sur un message de solidarité énergétique, si je puis me permettre. Et là, j'ouvre des guillemets. En faisant scintiller, là, notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Ces propos sont de Nelson Mandela. Je vous remercie. Jean-Henri Leroy pour la suite. Merci, Monsieur le maire. Nous allons aborder le contexte. La loi Transition énergétique pour la croissance verte impose une évolution du mix énergétique d'ici 2030. L'objectif est de porter à 40% la part d'électricité d'origine renouvelable, alors qu'aujourd'hui on se retrouve plutôt à 20%. Et l'objectif est d'abaisser à 50% la part d'électricité d'origine nucléaire, aujourd'hui entre 68 et 70%. En région Bretagne, l'objectif est de viser une capacité énergétique éolienne de 4000 MW d'ici 2040. À titre indicatif, on en comptait 1065 MW en 2020. Il faut savoir, par exemple, une éolienne, on se retrouve sur à peu près 3 à 4 MW, c'est ça ? Voilà. Illustration d'une carte issue de la Dreal, un focus sur les Côtes d'Armor. On peut y apercevoir effectivement les zones d'implantation de parcs éoliens. Sur cette carte-là, on peut voir justement tous les développements de parcs éoliens qui ont été validés. Des développements de parcs éoliens aussi sur ces zones-là. Et en rouge, on retrouve des parcs qui ont été finalement refusés. Ça vous donne justement une image, un focus sur le développement éolien dans les Côtes d'Armor. Je vais laisser la parole à M. Lucas, qui justement va vous apporter des informations sur l'éolien, d'une manière générale, et le déroulement du processus concernant le développement d'un parc éolien. Merci. Donc, oui, je suis Vincent Lucas, donc directeur de la SEM Énergie 22. Donc, qu'est-ce que la SEM Énergie 22 en quelques mots pour comprendre pourquoi aujourd'hui je m'adresse à vous. Donc, la SEM Énergie 22, c'est une société d'économie mixte qui était créée par le syndicat départemental d'énergie des Côtes d'Armor. Le syndicat départemental d'énergie des Côtes d'Armor, en fait, c'est une structure qui est au service des communes pour des missions historiques que vous pouvez voir tous les jours, puisque c'est l'électrification rurale, l'éclairage public, le gaz, les télécoms, voilà, toutes les missions diverses et variées qui a trait à l'énergie.
Et depuis 2018, il y a la SEN qui a été créée pour également investir et développer des projets d'énergie renouvelable sur le territoire. Alors, je vais corriger ma phrase, c'est pour aider, pour accompagner les communes à développer des projets d'énergie renouvelable sur leur territoire. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis présent, mais je ne représente en aucun cas un quelconque développeur éolien où je ne suis pas là pour vous vendre d'une manière que ce soit un projet éolien. Donc, ceci étant dit, je vais vous parler du déroulé des projets éoliens. Alors pourquoi on se rencontre aujourd'hui? C'est tout simplement que des développeurs éoliens ont effectivement identifié sur les communes de Plébien, de Plouran et de Plouas ce qu'on appelle une ZIP, une zone d'implantation potentielle. Alors, je vais prendre mon pense-bête, vous allez comprendre pourquoi. Donc, comment définir une ZIP? Alors, il y a de multiples critères qui permettent de le faire. Donc, les critères, 500 mètres des habitations, 150 mètres des routes, 150 mètres des lignes haute tension, 300 mètres des conduites de gaz, de 3 à 200 mètres des faisceaux hertziens, ça dépend des opérateurs. Il y a également les faisceaux de gendarmerie et de l'armée à prendre en compte. On ne peut pas être dans un périmètre historiquement de 30 km des radars. Maintenant, ça a été étendu à 70 km, sauf s'il y a plusieurs radars, et dans ces cas-là, on n'en prend que un comme référence. Il faut également éviter les zones de défense spécifiques. Il faut être à plus de 500 mètres des monuments historiques. Il faut également éviter les zones de visibilité spécifiques. Bon, ici, on n'est pas concerné, mais par exemple, voilà, le Mont-Saint-Michel, on ne peut rien mettre au-delà de, dans un rayon de 20 km. Les zones de présomption de fouilles archéologiques. Je n'ai pas encore abordé tout ce qui est aviation civile, mais avec la RTBA, les cônes d'approche et les cônes de servitude. J'ai cité les radars, mais je n'ai pas cité ceux de Météo France, qui sont donc des radars primaires et secondaires. Dans les Côtes d'Armor, on est concerné puisqu'il y en a un à Pontivy, donc pareil, dans un rayon de 20 km, on ne peut rien mettre. Et enfin, on en arrive aux critères environnementaux, que sont les zones Natura 2000, les NIF1, les parcs nationaux et les plans d'action spécifiques pour certaines espèces. Voilà, donc ça fait énormément de... Et j'en oublie certainement, parce que j'ai fait ça de tête. Peut-être que la loi électorale impose certains critères également. Donc voilà, il s'avère que la définition d'une ZIP, c'est quelque chose de très normé, de classé par la loi française. Et donc, quand il y en a une qui est identifiée sur une commune, effectivement, ça incite les développeurs à venir se rapprocher des collectivités dans le but d'avoir un aval du conseil municipal pour amorcer un projet. Donc, en ce qui concerne le déroulé d'un projet, une fois que cette ZIP a été identifiée, comme je l'ai dit, enfin, c'est ce que je préconise, puisque dans la loi, il n'y a rien qui le contraint. Mais je préconise de toujours avoir une délibération du conseil municipal avant d'agir de quelque manière que ce soit. C'est ce qu'on prudemment choisit de faire ici, le conseil municipal de Plouas, donc je ne peux que les féliciter de la démarche. Et une fois que le conseil municipal s'est prononcé, là, les développeurs vont pouvoir entrer dans une démarche de sécurisation foncière, puisque forcément le foncier de cette ZIP est propriété de quelqu'un. Donc il faut obtenir des autorisations constitutives de droit réel. C'est des termes un peu barbares, excusez-moi, mais c'est le droit français qui veut ça. Et suite à cette sécurisation foncière, c'est là que les études et ce qu'on appelle notamment le prédiagnostic écologique, va pouvoir démarrer. Donc, aujourd'hui, quand on s'adresse à vous, il n'y a aucune étude pour le moment qui a été réalisée. Donc je ne suis pas en mesure de vous donner les critères techniques de combien d'éoliennes il pourrait y avoir, de quelle puissance elle serait, et tout ce qui s'ensuit. Ces éléments-là, ne me les demandez pas, je ne les ai pas. Voilà, et aucune étude n'a été faite. Puisque... Suite à ce prédiagnostic écologique, si on se rend compte qu'il n'y a pas de zone humide, puisque donc le prédiagnostic écologique va porter sur différentes études, qui sont donc la définition des zones humides, les études faune-flore, une étude spécifique
sur l'avifaune, des oiseaux notamment avec les courants migratoires, et une étude qui est en terre, puisque ça, on a beaucoup d'espèces, nous, en Bretagne notamment, et il faut les protéger. Donc voilà. Ce prédiagnostic écologique nous dira si, oui ou non, il y a possibilité d'aller plus loin. Et c'est suite à ce prédiagnostic écologique que les premiers investissements, comme la mise en place d'un mat de mesure, pourront être faits. Un mat de mesure qui devra faire l'objet d'une déclaration préalable, et l'étude de vente durera environ 18 mois. Ensuite, c'est pas le moment. En parallèle de ces études de vente, il y aura les études environnementales qui seront lancées. Donc c'est des études qui s'étalent sur plus d'un an, puisqu'il faut, suite au prédiagnostic, il faut vraiment beaucoup faire l'analyse des enjeux floristiques, faunistiques, et donc il y a un nombre de sorties à faire pour vérifier au fait que l'habitat naturel des espèces et tout ce qui s'ensuit est respecté. Toutes ces études seront synthétisées, agglomérées dans un document qu'on appelle le dossier de demande d'autorisation environnementale, qui lui partira en analyse dans les services de la préfecture, analyse qui va durer environ 2 ans, et au cours de laquelle il y aura une enquête publique. Là, du coup, tout le monde, tous les citoyens concernés par le projet seront amenés à s'exprimer. Et enfin, le préfet se prononcera sur favorablement ou non sur cette autorisation environnementale. Et uniquement après ces aspects-là, le projet pourra être construit. Voilà, dans les grandes lignes, le déroulé d'un projet éolien. J'espère avoir été suffisamment précis sur les événements à venir. Ou pas d'ailleurs. Merci Monsieur Lucas. Je vous propose maintenant de regarder une carte, donc la carte de cette fameuse zone d'implantation potentielle. On y retrouve la zone de Pléguien, la zone de Plouran et celle de Plouin. Monsieur Guilouette du service urbanisme de Plouin a réalisé aussi un travail de cartographie qui nous permet justement, et Monsieur Lucas l'a indiqué tout à l'heure, la distance entre une éolienne et les premières habitations doit être minimum de 500 mètres. Et nous avons justement, à partir de cette première zone d'implantation, nous avons tracé justement différents types de diamètres, hein, 500, 1000 et 1500. Il faut savoir qu'en France, nous restons à 500 mètres. Et dans d'autres pays, hein, comme le Danemark ou l'Allemagne, on se situe plutôt sur des zones à 1200 ou 1500 mètres. Une photo a été réalisée sur le site. Donc là, on se retrouve directement sur le site de la zone d'implantation. Ici, c'est vers le Palu. Là, on se retrouve dans la vallée du Palu, là derrière. Et de l'autre côté, le versant qui donne accès à la pointe de Plouin. Cette zone d'implantation potentielle, justement, se retrouve à proximité et se retrouverait aussi en partie sur, justement, la forêt des Andes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone aussi se retrouve dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ZNIEF 2. C'est un territoire national pour lequel les experts scientifiques ont identifié les éléments remarquables du patrimoine naturel. Les ZNIEF de type 2 constituent des ensembles naturels riches, peu modifiés ou offrant des potentialités importantes. L'inventaire ZNIEF 2 est un inventaire de connaissance du patrimoine naturel. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. En Bretagne, à titre indicatif, on compte seulement et environ 98 ZNIEF de type 2. Donc, par conséquent, même si le site est en ZNIEF 2, ça n'est pas un frein finalement pour le développement d'un parc éolien aux yeux de l'État. Je vais laisser la parole à M. Guilouette qui va justement faire un point sur cette zone. Bonsoir.
Je voudrais surtout faire un point sur, pas seulement la CNIAS, mais faire un petit rappel historique du développement du site de boisement de l'Isandré. Il faut savoir que ce site-là, pour les gens qui le connaissent, aujourd'hui c'est un espace boisé sur une partie, en périphérie, avec des zones agricoles. Il y a 200 ans, en 1804, Jean-Louis de Courson, qui est administrateur général des villes de la marine, achète le domaine de l'Isandré. À cette époque-là, ce n'était que des landes. Et lui, il a une idée, qui est de planter des boisements issus de différentes régions de France et même d'Europe. Il va à ce moment-là contacter différents services et réussir à avoir l'équivalent de 99 essences d'arbres différents. Donc il plante au fur et à mesure dans cet espace, dont aujourd'hui on peut retrouver encore différents arbres. Beaucoup connaissent le grand chêne, le wargose. D'ailleurs, le wargose, ça veut dire jachère, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a le grand chêne qui reste, il y a plus de 200 ans. Il y a les tilleuls devant le château de l'Isandré. Il y a trois grands chênes en face des tilleuls. Il reste aussi un cyprès chauve. Donc c'est pas très courant par ici. Donc c'est pour montrer, en fait, ce qu'il voulait montrer à cette époque, c'était comment adapter climatiquement de la végétation dans d'autres espaces. Donc c'était un but de recherche à l'époque. D'ailleurs, les chênes verts qu'on connaît à Poua datent aussi de la même époque. Donc on retrouve quand même aujourd'hui dans cet espace boisé beaucoup d'essences qui pourraient être classées remarquables. Or, ils ne le sont pas. Donc ça mériterait aussi les études qui ont été faites sur cet espace faunistique et floristique. Les derniers recensements datent de 2009. Mais ça mériterait qu'aujourd'hui, on s'y intéresse aussi et qu'on continue éventuellement avec un groupe de citoyens à faire un recensement faunistique et floristique, peut-être commencer par ce secteur de l'Isandré, mais qui pourrait s'étendre aussi au territoire de la commune. Donc voilà pour cet aspect environnemental. Donc aujourd'hui, sur ces vignettes 2, c'est vrai que dans d'autres espaces où il y a eu des projets éoliens par rapport aux vignettes 2, il y a eu des dérogations qui ont été demandées et qui ont été accordées. Il y a aussi le fait qu'une partie de ces terrains-là sont en zone agricole, l'autre partie est en zone naturelle, notamment sur les zones de boisement. Il y a aussi un espace humide qui est constitué d'une mare. Par contre, il y a eu très peu de recensements de faits autour de la mare, puisque en fait, dans les inventaires qui ont été faits concernant la CIF, on ne retrouve qu'une seule espèce d'amphibien, de triton. Donc, dans les différentes espèces autrement, 42 espèces ornithologiques et de multitudes de variétés florales et herbicides. Voilà pour le bilan écologique. Merci, M. Guillouet. On va utiliser aussi une perspective, une planche sur la perception visuelle des éoliennes en fonction de la distance. Donc à titre indicatif, on se retrouve là sur des éoliennes de 175 mètres en bout de pale, et ça vous donne une perspective à 500, 1000, 2000 mètres, jusqu'à 15 km. Nous allons maintenant faire un point sur les historiques. Sur l'historique des échanges et des actions. Le 6 décembre 2021, nous avons accueilli la société WKN, c'est-à-dire c'est un promoteur immobilier. Éolien, tout à fait, éolien. C'est un promoteur éolien. Le 7 décembre, le lendemain, nous avons eu rendez-vous avec la société Nassen Wind, promoteur éolien. Le 10 décembre, il y a eu une prise de contact téléphonique avec M. Lucas, justement, de manière à pouvoir se rencontrer en mairie. Le 17 décembre,
Et nous avons eu le soir même la réunion publique dirigée par M. Legout à Pléguien. Le 27 décembre 2021, nous avons justement fait, avec une délégation municipale et M. le maire, une rencontre au bois de l'Isandré avec des riverains et le collectif Vigilance éolienne Pléguien Loire Courant. L'objectif était de faire un point sur site directement, de manière à visualiser la zone d'implantation potentielle et recueillir les informations, le retour de ces différents riverains. Un moment d'échange et de terrain qui finalement a été assez intéressant, constructif, et qui nous amène justement aujourd'hui à être ici et à vous présenter cette réunion d'information. Le 29 décembre 2021, quelques jours après, il y a eu du coup un communiqué commun de Pléguien Plourent. Ce communiqué indique finalement un avis défavorable des villes de Plourent. Donc selon les élus, le site retenu ne rassemble pas toutes les conditions nécessaires à la bonne conduite d'un tel projet. À l'issue de ces échanges, la nécessité de contribuer à la production d'énergie renouvelable en Bretagne apparaît évidente pour la grande majorité des personnes rencontrées. Pour autant, le projet sur le site commun aux deux communes, dans le quartier de Bobidin, Kervenec à Pléguien et Bobillien, le bois du pavillon à Plourent, ne réunit pas toutes les conditions nécessaires à l'implantation d'aérogénérateurs, sous-entendu d'éoliennes. Nous avons opté avec Monsieur le maire de finalement poursuivre la démarche et il était important pour nous d'avoir ce temps avec vous, ce temps d'échange, de manière à pouvoir vous écouter et en conscience pouvoir éclairer le conseil municipal pour délibérer lundi prochain au conseil municipal. Nous passons maintenant à la dernière partie de cette réunion d'information. Une partie sur les questions, l'échange avec vous et vos interventions. Cette partie sera animée par Didier Gueux, qui justement abordera différents thèmes, celui de la technique, l'environnement et paysage, habitat, tourisme et économie, santé, bien-être et population. L'objectif pour vous est de s'insérer justement et d'insérer votre demande ou votre intervention à travers ces différents thèmes. Merci. Bonsoir à tous. Donc, on vous a fait la lecture des différents thèmes. Sur l'organisation générale, on prendra thème par thème. Mon rôle, c'est de façon de réguler les débats, de façon qu'on respecte bien les thèmes par thème, mais également aussi des règles de vivre ensemble. Un, on écoute la personne qui a le micro. Il y aura deux micros et deux personnes qui tourneront. On ne coupe pas, sinon je couperai. Il voit ce qu'il porte. Et surtout le fait de rester vraiment dans des rapports, je dirais, de respect de chacun, même si on n'est pas d'accord. Je pense que c'est vraiment important, écouter, entendre et respecter. Je crois que c'est vraiment des choses que si on veut que le débat soit riche, il faut vraiment respecter ces règles. Donc je suis là aussi pour ça, pour être capable de respecter ces règles. Donc les deux personnes souhaiteront... Alors si on oublie une personne, n'hésitez pas à vous lever et vous faire signe, parce que ça peut arriver, hein, on passe le micro, et aussitôt on reprendra de façon à ce qu'on sente que cette personne puisse prendre la parole. Sur le premier thème, la technique, si vous avez des questions, qui est surtout les enjeux de la structure d'une éolienne, le béton, la structure métallique, la structure, la hauteur, la position, voilà, c'est la structure. De façon que si vous avez des interrogations, son recyclage aussi, hein, est-ce que c'est recyclable, voilà, la thématique. Il faut toujours une première question. Allez-y, n'hésitez pas. Là, il y a un monsieur là, qui est devant, grillé là, pour l'oreiller. À gauche là. À gauche là. Levez bien la main, de façon qu'on vous voit, parce que. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir
Au niveau des infrastructures, comment vous allez faire passer les véhicules pour être le béton, l'acier, les pales, les mâts et tout ce qui s'ensuit? Par où ils vont passer? Pour l'instant, du coup, comme je ne sais pas où vont être mises les éoliennes, je ne peux pas vous répondre. Par contre, du coup, je suis un peu d'accord avec vous. Les études, par contre, vont. Je peux vous dire par contre comment ça va se dérouler. Si jamais ça allait plus loin, effectivement, il y aura des chemins d'accès soit à former, soit à élargir, soit à adapter. D'ailleurs, ça fait l'objet de conventions d'occupation des chemins qui sont passées avec la commune ou les propriétaires en fonction des sites, tout simplement. Voilà, ça fait. C'est un gros enjeu, au fait, d'un projet éolien. Vraiment, ça fait partie, au fait, de ce qu'on appelle la sécurisation foncière. C'est-à-dire s'assurer, d'une, qu'on obtient des droits réels sur le site, et de deux, qu'on peut accéder au site. Ça, voilà. Alors, je m'excuse, j'ai du mal à poser ma question. Sur les voiries existantes, parce que pour aller, ils vont effectivement tracer des routes dans les bois, et ainsi de suite. Mais pour se rendre sur ces routes, de mémoire, une toupie, ça fait 40 tonnes. D'accord, pour faire un socle en béton, il en faut un certain nombre. Il y a la ferraille à mettre dedans, il y a les pales à amener. Les voies, à l'heure actuelle, on a du mal à se doubler, à se croiser avec deux véhicules. Vous prenez les voies qu'il y a à l'heure actuelle, comment vous allez faire? Ils vont les élargir, ces voies-là? Les routes actuelles? Ils vont forcément devoir trouver un chemin d'accès. Ils n'auront pas le choix, sinon il n'y aura pas de projet. Et ça peut justement être aussi un des éléments, en fait, des études qui fait que le projet ne va pas plus loin. C'est dans une multitude de projets, j'ai vu tout simplement des parcs dont la quantité d'éoliennes a été réduite, puisque les études de vent jugeaient pertinentes d'en mettre à certains endroits, mais n'ayant jamais réussi à créer un chemin d'accès présentant des caractéristiques adéquates pour les travaux, ces éoliennes ont été supprimées des projets. Donc c'est quelque chose de récurrent dans la vie de projet, en fait. Mais être formel et catégorique à l'instant T, je ne peux pas. Je ne peux pas vous le dire. Okay. Une autre question? Monsieur? Messieurs, bonsoir. Au niveau technique, vous nous avez parlé du béton. Pour rebondir sur ce que vient de dire le monsieur, combien de tonnes il y a de béton il y a-t-il au pied d'une éolienne, s'il vous plaît? Ça dépendra de la taille de l'éolienne et des études de sol qui sont réalisées pour savoir. Vous n'avez pas, d'après les études qui ont été faites partout en France et tout, vous ne savez pas combien il y a de tonnes de béton au pied d'une éolienne? Ah, sur des projets, si je peux vous donner ce qui a été fait, même sur les parcs existants qu'on a, je pourrais vous donner. Je pense que vous racontez de bêtises, donc je ne vous les donnerai pas là maintenant. Mais par exemple sur un projet type, je peux vous dire. Destructible ou pas destructible? La loi oblige à araser totalement le socle de béton, ce qui n'était pas le cas avant. Je vois bien le sens de votre question. Avant, effectivement, les anciennes lois ne demandaient que d'araser sur une certaine profondeur en prairie et le double en forêt. Maintenant, tout le socle béton doit être supprimé au moment du démantèlement. C'est la loi. Après, si les développeurs éoliens ne s'y tiennent pas, libre à eux de s'opposer à la justice. C'est... En cas de démantèlement, il ne faudra pas oublier de compter le coût du démantèlement. Non, mais c'est toujours prévu dans les projets. C'est même une obligation de séquestrer le montant nécessaire au démantèlement. C'est souvent pas connu, en fait, mais c'est le cas. À titre indicatif, vous avez derrière moi une illustration des fondations, justement, d'un projet qui s'est réalisé à Plumagoire, en bordure de RN12. Là, on se retrouve à peu près à 25 mètres de diamètre pour 4 mètres de hauteur, avec une toupie qui fait 6 mètres de hauteur. Personne au fond, là-bas? Non, j'en ai juste parlé. Je peux? Allez-y, madame. D'accord. Donc, chez madame Baza, nous sommes sur l'Isandré. Je voulais simplement savoir, dans votre présentation, vous avez dit que les sociétés ne pouvaient pas identifier des parcelles qui n'étaient sous une zone de
zone 2000 ou sous SDF, de zones où il y a des, où il y a des zones humides, etc. Alors que les parcelles qui ont été identifiées sur les Andrées, elles sont vraiment dans des zones humides. Et comme vous avez bien remarqué, c'est quand même il y a 200 ans, c'est une forêt qui a été construite il y a 200 ans. Donc là, pour faire passer des éoliennes sur ces endroits-là, il faudra détruire une grande partie de la forêt. Justement, vous faites, c'est une excellente remarque. Alors moi, je n'ai pas du tout connaissance au fait de l'état des zones humides sur le secteur. Mais je vous le dis tout de suite, s'il y a des zones humides, dites-vous bien que le projet n'ira pas plus loin. Aujourd'hui, on est surtout, et je dirais même surtout dans le département des Côtes-d'Armor, puisque, si vous voulez, la logique des projets fait qu'on, dans les autorisations environnementales, on doit avoir une logique qu'on appelle ERC, par rapport aux impacts environnementaux. Donc, éviter, réduire, compenser. De manière générale, dites-vous bien que dans les Côtes-d'Armor, la préfecture, ils sont totalement contre le C, donc, c'est-à-dire ils refuseront toute compensation de destruction de zones humides. Donc, il faudra, si jamais, comme vous le dites, il y a des zones humides quasiment partout, je vous le dis tout de suite, le projet ne se fera pas. Je peux vous dire, je suis très étonné que je voulais faire une extension, on m'a dit que c'était un ticket de la zone humide. Je n'en mets pas du tout en doute. Je n'en mets pas du tout en doute. Je vous dis juste, c'est un constat. Si c'est le cas, voilà. Mais on en parlera après aussi pour le paysage quand même. Tout ce qui est la ZIEF décrit vraiment tout ce qu'il y a comme implantation. Je coupe, madame, c'est après. Là, on reste sur la technique. Bon, c'est pas paysage. C'est pas paysage. Non. On est technique pour l'instant. Une question devant. Allez, monsieur derrière. Allez-y. Je voudrais revenir sur le démantèlement. Si j'ai bien compris, si vous voulez, bon, pour l'instant, rien n'est fait, mais c'est bien des sociétés privées qui sont intéressées d'implanter et d'exploiter des éoliennes. De ce que je comprends, ces sociétés, elles sont intéressées, pourquoi ? Ben pour le profit, puisque toute entreprise ne travaille pas pour eux. Travaille bien pour le profit. J'ai lu certains articles qui sont assez troublants sur le démantèlement. Je m'explique. Ces sociétés, certaines sociétés, sont constituées de fonds d'investissement qui voient le rendement, forcément, au niveau de l'argent. Les rachats de EDF sont calqué sur une durée, en général, de 15 ans ou 20 ans. Et le tarif de rachat de l'air est bien supérieur au prix de revient de l'éolienne pour compenser l'investissement des sociétés privées. Cas d'école, une société privée fait faillite en fin de contrat. Est-ce que je dis c'est déjà arrivé? En fin de contrat, qu'advient-il du démantèlement des éoliennes, sachant qu'une éolienne, pour démanteler une éolienne, c'est entre 500 et 600 000 euros. Bien loin des loyers que peut toucher éventuellement un agriculteur, même sur une durée de 15 ans. Parce que, en général, ces sociétés-là n'achètent pas les terrains, les louent. Et ce qui fait qu'au niveau juridique, si une société fait faillite, qui va assurer le démantèlement de ces installations-là? Alors, excellente question. Voilà. Aujourd'hui, déjà, partons d'un premier principe. Vous partez du principe qu'il y aura forcément un développeur ou une société privée qui va venir s'implanter. Moi, j'ai envie de vous dire, si vraiment vous voulez qu'il y ait un projet éolien, vous n'avez pas besoin d'eux. Ça, déjà, en préambule, soyez assez sécure là-dessus. C'est-à-dire, si vous voulez gérer vous-même votre projet, faire un projet citoyen, regardez par exemple ce qui a pu être fait sur la commune de Leméné, ici dans les Côtes d'Armor. Regardez ce qui a été fait sur Redon, par exemple, où ce sont vraiment des centrales villageoises qui portent des projets éoliens et qui, du coup, l'ont fait avec l'appui technique de certains développeurs, mais dont la gouvernance de la société et la propriété de la société est le fait de citoyens, comme vous et moi. Donc, voilà, partir du principe qu'il y aura forcément une société qui va prendre l'argent. Qui va l'envoyer pour financer des retraites au Luxembourg, en Australie, au Canada, et qui du coup n'assumera pas ses responsabilités en fin d'obligation d'achat. Bon, c'est ok, je suis d'accord que ça peut arriver, mais on est presque à la limite du procès d'intention. Ensuite, aujourd'hui, sur ce qu'on constate aujourd'hui sur les parcs éoliens,
c'est qu'avec la flambée des matières premières, je vais vous faire un bilan sur la crise incontraverse, les devis qu'on reçoit de rachat des fournisseurs d'éoliennes couvrent globalement le prix de démontage de l'éolienne. Alors, pas d'arasement des socles béton, j'entends bien, mais globalement, c'est-à-dire l'enlèvement, le coût d'enlèvement de l'éolienne est supporté par le montant que proposent les fournisseurs d'éoliennes pour les racheter, pour récupérer, pour recycler les matières qui la constituent. Donc après, restent effectivement les frais de démantèlement. Et aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'une société privée soit juridiquement solide et très bien accompagnée d'avocats pour justement faire croire que, au vu des tarifs éoliens et au vu de ce que peut rapporter l'éolien, ils se retrouvent en faillite. Voilà. Donc, fondamentalement, qu'ils essayent, je ne dis pas que certains n'essaieront pas, mais c'est là aussi que ma structure, donc c'est-à-dire la CM Énergie 22 et le SDE, peuvent venir en soutien des collectivités et de facto, mais dans un second temps, des citoyens. C'est que du coup, on est là aussi pour vous aider à être bien accompagné. Et effectivement, éviter de tomber sur des marchands de rêve ou des spéculateurs. Puisque malheureusement, et c'est un peu ce que, à titre personnel, je déplore dans les énergies renouvelables, on est souvent victime, au fait, de la mauvaise image créée par des gens qui font n'importe quoi. Mais ça, je ne peux pas vous l'enlever, je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureusement, il y en a. Mais bon, dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe, un parc éolien. Une autre question, là, monsieur. Oui, j'ai découvert avec intérêt donc, les critères d'implantation des éoliennes dans la première partie donc, de cette intervention. Par contre, je n'ai pas du tout entendu parler de la force des vents. Est-ce que cette zone-là est une zone privilégiée quant à la force du vent ? Quand on circule en France et un peu partout en Europe et dans le monde, on s'aperçoit qu'il y a des éoliennes qui tournent et d'autres qui ne tournent jamais. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est une zone privilégiée des courants d'air ? Alors, pour répondre à votre question, oui, clairement, en fait, quasiment toute la Bretagne, et je dirais même surtout les Côtes d'Armor, on est un des départements avec le gisement de vent le plus intéressant en termes d'énergie éolienne produite par des aérogénérateurs en France. En gros, on est sur des volumétries de vent comparables au sud-est, par exemple. Il peut y avoir des vents comme le Mistral et tout ce qui s'ensuit, sauf que nous, la chance ou malchance, ça dépend où on se place, qu'on a, c'est qu'ils sont plus constants, plus réguliers, et donc ça offre une garantie de temps de production. Alors, pareil, c'était un peu dingue, mais d'équipes de production en équivalent pleine puissance de l'éolienne qui sont très intéressants. Et c'est ce qui fait qu'il y a globalement que le territoire des. Alors je vais me concentrer sur les Côtes d'Armor parce que ça pourrait s'étendre à la Bretagne, est un site très intéressant. Et du fait de vous voyez la multitude de critères de définition des ZIP, forcément, quand un développeur va en trouver une dans un département comme le nôtre, il va forcément avoir une certaine appétence. Au fond à gauche, là-bas. Allez-y. Oui, bonjour. Bonsoir. Je reviens au premier intervenant tout à l'heure. Vous êtes en train de nous détruire tous nos chemins de randonnée. On ne peut plus circuler nulle part. Vous êtes en train de tout détruire. Il n'y a que vos camions qui passent. Excusez, monsieur, là on parle d'environnement. On parle d'environnement, non. On en parlera après. Il y a un groupe de travail. On parle d'environnement. On va venir après sur l'environnement. Là, on parle d'environnement. On ira après, monsieur. Monsieur, on ira après. Je vous demande. On peut plus circuler. Est-ce que j'ai une question sur la technique? À pied ou quoi? On peut la plus technique, circuler. Monsieur. Et on prend le micro. Ben voilà, mais je vous le dis, on peut plus circuler. On vous donnera le micro quand on sera sur la partie environnement. Désolé. Est-ce qu'il y a une autre question ? Monsieur, il y a monsieur devant, là. Madame, d'abord, oui, il n'y a pas monsieur. Oui, bon.
Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez dit que donc, pour les importations, on tenait compte ben, justement des nièvres, des zones humides, etc. Enfin, qu'il y avait tout un tas de critères. Je reviens un peu sur ce qu'a dit c'est Madame Bazin, là. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est pourquoi des prospecteurs d'éoliennes sont venus sur cette zone-là qui est déjà en Znief 2, qui est déjà une zone humide, alors que, soi-disant, ben, dans ces zones-là, on ne construit pas des éoliennes. Ça m'interpelle un petit peu. Ce sont quand même des entreprises et ça m'étonnerait qu'ils fassent de la prospection, sachant qu'ils ne vont pas pouvoir le faire. C'est assez surprenant. Alors, il faut aussi recontextualiser les choses. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit précédemment, on est dans un département où on a la chance d'être justement assez protégé sur les impacts environnementaux. C'est-à-dire qu'on a une préfecture qui est globalement responsable et qui est totalement contre les démarches de compenser et qui incite fortement à réduire et qui voudrait même qu'on ne fasse qu'éviter. Et je les rejoins là-dessus. Par contre, ce n'est pas forcément le cas partout en France. Donc il faut bien voir que du coup, dans d'autres départements de France, justement, des développeurs éoliens se sont vus des fois délivrer des autorisations parce qu'on les a autorisés à détruire des zones humides et du coup à les compenser sur d'autres sites. Vous savez, ils sont venus, les développeurs éoliens, ils ont besoin de valoriser leur travail, c'est-à-dire de à minima afficher un gros volume de projets pour éveiller l'appétence économique peut-être le plus gros, et surtout en cette période, je vous le dis clairement, beaucoup cherchent à se faire racheter, enfin, on est vraiment dans une optique très financière de l'énergie, notamment l'énergie renouvelable, et que des... Enfin moi, je suis pas étonné que des développeurs essayent de porter un projet dans une zone où il y a des zones humides, mais je vous le dis clairement, et je le redis tout à l'heure, si vraiment il y a des zones humides, ils n'obtiendront jamais l'autorisation environnementale de construire. Donc voilà, le débat, il est clair, il n'y en a pas en fait. Parce que si vraiment il y a des zones humides... C'est quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'ils ont quand même été démarcher les propriétaires, ils ont fait signer des promesses de bail. Ils ont le droit de rêver après les développeurs. S'ils ont le droit de rêver, qu'ils vont avoir. Je vais peut-être avoir. Je ne vais pas être plus formel. Je vais J'aimerais bien. En fait, ce que disait M. Lucas tout à l'heure, c'est que dans un premier temps, ils font des prospections sur des zones où il n'y a pas de zone humide et où les sites ne sont pas en signal 1. Or, actuellement, la zone autour du bois de Lisandré est en signal 2. Et sur les sites que moi j'ai pu consulter, d'ailleurs le dernier site qui a été réalisé à Plumavoir, il y a des espaces qui étaient en signal 2 qui ont été, sur lesquels il y a eu des dérogations qui ont été accordées. Voilà. D'autre part, sur ces espaces-là, il y a aussi des boisements qui étaient des boisements classés qui ont eu des autorisations de déclassement. Mais ces données, il y a la préfecture et c'est pas les communes en elles-mêmes. Les communes donnent sur ces sites-là des avis. Après, il y a d'autres instances qui. Mais il faut bien faire la différence entre ce qui est une signal 1. Le bois de l'Isandré, il y a, je veux dire, une douzaine d'années, était en signal 1. À cette époque-là, certainement, le projet n'aurait pas été lancé sur ce site. Il a été déclassé depuis. Donc c'est pour ça qu'ils cherchent des sites où ils peuvent potentiellement mettre en place. Ce que je voudrais rappeler, en répondant à monsieur tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un état de projet. Rien n'a été réalisé. Donc je voudrais rappeler que c'est toujours un projet. Autre question, la technique, monsieur, derrière vous. Ah non, monsieur devant, j'étais avant, excusez-moi. Pardon. Mais j'ai parlé une fois. Oui, excusez-moi, je ne comprends pas grand-chose en technique. Une fois que l'éolienne tourne, censée fabriquer de l'électricité, vous allez être bien obligé de la cheminer, cette électricité. Comment vous allez la cheminer? Par quel réseau? Aérien? Souterrain? Qu'est-ce qu'on va détruire en plus pour pouvoir mettre des pylônes pour transporter ou creuser pour transporter cette énergie? Alors, techniquement, ce sera uniquement du réseau souterrain qui sera en accotement et raccordé pour ce
parle de projet, mais moi je suis plutôt dans l'optique de, on est à l'état de réflexion, mais si vous voulez employer vos projets, ça ne me dérange pas. Et ici, on serait raccordé sur le poste de source le plus proche qui est basé à Plouron et qui serait en mesure de recevoir, dans les estimatifs que j'avais, maximum la production de 4 éoliens, maximum. On ne pourrait pas aller au-delà sur ce poste de source. Voilà. Monsieur. Bonsoir. Alors ma question n'est pas réellement technique, donc si je ne peux pas la poser, vous me dites, elle est un petit peu juridique. J'aimerais savoir la suite éventuelle qu'aura le projet une fois que la mairie aura donné son avis, donc le conseil municipal. Imaginons que, c'est ce que j'espère fortement, puisque je suis un résident, le conseil municipal de Cloyes donne un avis défavorable. On sait qu'aujourd'hui, l'avis des maires ne peut pas emporter l'arrêt du projet. Donc je voudrais savoir si le SDE, alors je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu que il y avait le SDE qui était membre de Amorce. Donc pour ce que j'en ai compris, vous allez me dire si je dis n'importe quoi, c'est que Amorce, à mon sens, a une démarche, c'est-à-dire responsable des projets éoliens, et donc les adhérents suivent l'avis des conseils, c'est-à-dire que les projets éoliens, si les conseils municipaux sont contre, s'arrêtent si les adhérents, et on a une des sociétés porteuses de projets qui est adhérente d'Amorce, donc elles s'arrêtent puisqu'ils veulent un projet responsable et ne vont pas contre l'avis des conseils municipaux. Donc je voudrais savoir juridiquement ce qui va se passer pour notre projet si on a donc trois conseils municipaux, un conseil municipal avec deux élus, je ne sais pas comment ça se fait sur les autres communes, qui disent que qui sont défavorables au projet. Le SDE va-t-il suivre les préconisations d'Amorce, c'est-à-dire dire qu'il ne faut pas suivre le projet, comme l'a déjà fait une société? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le préfet va dire on continue quand même? Est-ce que vous avez, vous, déjà un avis juridique et, ou un avis sur, sans nous dire que juridiquement ça va se passer comme ça, un avis personnel sur la suite du projet? Merci. Alors, en tant que professionnel, je garderai mon avis personnel pour moi, parce que ça n'a rien à voir. Ouais, mais voilà, c'est ça. Je préfère justement couper tout aspect sentimental là-dedans. Par contre, en termes d'aspect professionnel, rien à voir avec un. Effectivement, le SDE est adhérent d'Amorce, mais c'est un syndicat de collectivité comme beaucoup d'autres. On a la FNCCR, enfin voilà, on peut en citer plein, et tous essayent justement d'avoir la démarche la plus vertueuse dans ces aspects-là. Mais je vous dirais qu'au-delà des réseaux auxquels on appartient, moi, c'est surtout au fait des élus que j'ai autour de moi, parce qu'au final, je travaille pour des élus, au service d'autres élus. Moi, j'ai tout simplement un président directeur général au niveau de la SEM qui m'a dit non, mais nous, on est là pour aider les mairies, les communes. S'ils ne veulent pas y aller, on n'y va pas. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas d'intérêt à faire le forcing pour qu'on fasse un projet si personne n'en veut. Moi, à la rigueur, ce que je peux juste vous dire, c'est que ce qu'on va faire au niveau de la SEM Énergie 22, donc du S22, c'est que si vous décidez d'aller sur un projet, on veillera à ce qu'il soit le plus vertueux et le plus respectueux des normes et des lois en vigueur. Et ça, sur toute la vie du projet, de son développement jusqu'à sa construction avec les chemins qui sont, j'entends bien, un sujet important et je le conçois tout à fait, jusqu'à donc, son exploitation et son démantèlement. Ça, nous, on sera garant. Enfin, c'est ce que je dis souvent quand je rencontre des conseillers municipaux, c'est que, effectivement, le développeur éolien, éolien ou photovoltaïque ou qui que ce soit, il vient dans une commune, même s'il fait n'importe quoi, c'est pas grave. Il peut aller travailler dans le reste de la France ou dans le reste du monde. Moi, je suis le syndicat départemental d'énergie des Côtes d'Armor, dans une SEM locale, qui ne travaille que sur le territoire des Côtes d'Armor. Si je me mets à faire n'importe quoi dès maintenant, je pense que ma carrière ne va pas durer très longtemps dans cette activité-là. Donc voilà, je peux vous apporter en tout cas comme élément de réponse, pas juridique, mais plutôt politique, que j'ai des élus très responsables, très impliqués là-dedans, et qui veilleront justement à faire respecter l'avis des maires, même si je suis d'accord que l'avis d'un maire, malheureusement, ne peut pas bloquer un projet en cas d'avis défavorable. Mais c'est la seule garantie que je peux vous apporter, c'est de bien faire mon travail. Après le reste, je ne suis pas décidé. La parole, monsieur le maire. Sur 5 minutes, on va essayer. Oui, je reviens, si vous permettez,
à la loi actuelle peut être votée ou pas votée ou reportée. Ce qu'on appelle la loi 3D ou 4DS, je ne sais plus comment on va l'appeler. Ce serait une grosse DS à l'arrivée. Décentralisation, déconcentration, à l'arrivée pour différenciation et simplification. Ça vient d'être rapporté par mon voisin. Aujourd'hui, on est dans une situation d'un avis. Mais s'il y avait un coup de forceps d'un préfet, on a de l'éolien. Pardon, s'il y avait un coup de forceps d'un préfet, on a de l'éolien. Je l'ai peut-être dit rapidement tout à l'heure en propos introductif, puisque c'est évoqué par votre question, mais on va aborder un peu de jour sur le terrain, mais on continue. Et c'est dans le respect de nos mairies et nos communes voisines. Vous interrogez, je vais redire. On a vu l'expression dans la presse donc des maires de Pluron et de Pléguien, je redis, avec des configurations différentes. Et je crois qu'il faut respecter chaque collectivité, elle fait à son rythme avec sa méthode démocratique. Pour Pluron, c'est effectivement une expression du maire qui s'est traduite dans la conférence de presse, avec celui de Pléguien, considérant qu'à Pléguien, il y avait eu, donc vous êtes invité, une réunion publique. Volontairement, et je redis, puisque je pense que c'est important de mener les débats pour le par le bon goût, et en tous les cas, moi, je m'engage, c'est une méthode que j'ai envie de mettre en place. La rencontre de terrain, d'ailleurs, a été plutôt positive, utile, parce que ça simplifie les choses, et puis de nos relations de proximité, et puis c'est bien d'aller sur le terrain pour voir les vraies problématiques. La deuxième, la réunion de ce soir, elle est importante, parce que c'est bien qu'il y ait un débat public, qui n'est pas biaisé, où on n'arrive pas en disant on fait semblant et la décision est déjà prise. Alors le maître de cérémonie, il est un peu exigeant en disant technique, environnemental, mais le rôle est ingrat, mais il faut qu'on se prête à l'exercice. Et puis je crois aussi important qu'un monde de souveraineté qui est celui du conseil municipal. Parce qu'effectivement, on aurait pu décider tout seul qui le maire, ou qui comme ça la va vite en disant j'ai l'appui du conseil, ou même directement en conseil municipal, sans réunion publique. Je pense que l'exercice qu'on fait ce soir, il est important. Il donne de la validité au pouvoir qu'on aura, à la parole publique qu'on pourra avoir dans quelques jours. J'ai choisi également aussi, étant ancien administration nationale, le préfet a tout pouvoir. C'est clair, a tout pouvoir. La seule chose qu'il a comme contre-pouvoir, c'est le militant des citoyens. Militantisme des citoyens. Ils font capoter quelquefois des projets. Définiront un préfet. Parce que si la préfet s'engage et qu'il derrière, il y a le ministère qui a pris position et qui s'engage. Une autre question sur la technique, on passera après le deuxième thème. Alors, on a eu donc l'avis des maires, l'avis des propriétaires. Moi, je suis propriétaire de deux parcelles, j'ai dit non, il n'y aura pas d'éolienne sur ma parcelle. Monsieur le maire, Pléguien, m'a dit ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que mon bois va être abattu pour qu'on implante une éolienne sur mon terrain? Alors, là encore, purement juridique, ils ont le pouvoir de faire un droit de préemption ou d'une comment ça s'appelle le terme? Pardon, simplement pour vous dire qu'évidemment votre voix est importante et un égal un contribue dans le débat. L'exercice, il est plutôt avec beaucoup d'affection, mais périlleux pour nos deux co-auteurs, co-autrices. De la délibération qu'ils doivent nous préparer entre ce soir et lundi matin, puisque ça doit effectivement intégrer, on va dire ça comme ça, un considérant, et que ça doit intégrer les débats qui ont lieu ce soir dans le débat. Donc c'est plutôt pour eux que l'exercice est périlleux, mais en tous les cas, votre voix est importante, monsieur. Merci. Monsieur ? Oui, juste une question, parce qu'on parle à l'heure actuelle de problèmes d'émissions de CO2. Donc là, ils veulent une éolienne. Excuse, mais CO2, c'est environnement, on en parle après. Du coup. Non, mais. Si vous voulez. Hein, je remets la parole aussi toi après. Ce que je voulais, ça fait partie de la technique, c'était par rapport. Voilà. Allez-y, alors continue, allez-y. Par rapport à la technique, est-ce qu'on sait, à la construction, ce que ça représente en CO2 une éolienne? On a payé cher à l'indicateur, mais. Là, je n'ai pas les éléments avec moi, mais oui, je pourrais les transmettre aux élus pour que ce soit... Ça serait un truc qui serait intéressant de savoir par rapport à ce que ça va produire sur 20 ans. Bien sûr. Après, le coût de la construction, quand je parle du coût de la construction, ouais. C'est le coût global, y compris les petits qui viennent de Chine. C'est ça, mais complètement. Et c'est un vrai sujet.
Après, en plus, il faut bien voir que là, pareil, ça joue, enfin, les, justement, notre parc énergétique joue contre nous. Parce qu'on parle toujours de bilan CO2, mais elle va porter, au fait, à une volumétrie de production, et une volumétrie d'émission de CO2 par rapport à la production. Nous, en France, on est majoritairement sur une énergie d'électricité d'origine nucléaire, donc une électricité décarbonée. C'est ce qui fait qu'on a un bilan carbone favorable quand on vend l'électricité à l'Allemagne ou au Royaume-Uni, qui sont sur des énergies, eux, très fortement carbonées. Donc voilà, vous donnez précisément l'impact du CO2 sur le kilowattheure produit d'une éolienne. Je pense que ça va être une information très facilement trouvable sur Internet, mais je vous donnerai... Non, c'est à trouver, j'ai regardé. Ouais, c'est là les éléments des bilans. Madame, non, oui, c'était le micro, les îles. Dernière question sur la technique, après on passe au mode thème, sinon finit à 1h du matin. Alors moi j'aurais voulu savoir quelle était à peu près une hauteur d'éolienne et l'envergure d'une éolienne avec ses pales, et du coup, à combien de kilomètres on l'a fait par rapport à vos schémas. Alors, factuellement, donc même assez précisément, on va être en Bretagne limité à 150 mètres bout de pale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 150 mètres ici. C'est le seuil de la RTBA, où les réseaux de vol basse altitude. Et encore, peut-être qu'ici, il faudrait voir comment les plans de servitude par rapport à l'aéroport, peut-être dans des plans de servitude un peu spécifiques, où avec les cônes d'approche, on est encore réduit. Faut voir. Pareil, n'ayant pas fait les études, je ne peux pas vous répondre, mais globalement, voilà, on est à 150 mètres de taille. Donc votre perspective visuelle, c'est pour cette 175. Hauteur de... 175 mètres. C'est pour une éolienne de 175 mètres. Ah oui, d'accord. Merci. Donc, deuxième thème. Excusez, parce que sinon, après, c'est pour vous, hein. Donc, on peut durer... toute la nuit, mais c'est très long, fatigant pour tout le monde. Environnement, paysage. Donc, monsieur parlait tout à l'heure de destruction de paysage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Pas de questions sur l'environnement, les conséquences de l'environnement et sur le paysage? On va vous en poser. Ah, ben, il y a une dame ou monsieur qui a pris la parole là-bas au fond. D'abord au fond. Hein. On essaie de répartir les questions qu'on vous a dit à son autre à la parole. Tu viens, tu participes. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir comment est recyclée une éolienne. Parce que ça représente énormément de béton. C'est 500 à 600 tonnes de béton pour une éolienne de 150 mètres. Il y a un monsieur qui demandait tout à l'heure. C'est de la fibre de verre, c'est de l'aluminium pour les pales. Moi, je me suis un petit peu renseignée, j'ai vu qu'on enfouissait les pales, donc j'aimerais savoir où on en est de ce recyclage. Alors, l'environnement. Alors qu'en France, on n'enfouit pas les pales. Hein. Ça, globalement, dis-vous bien que ce serait... Peut-être qu'effectivement, dans certains documentaires à la télé, on a pu voir ça dans certains pays un peu moins... respectueux, ou on va dire dans des endroits où ils ont des grands déserts, ils ne savent pas quoi en faire et qui disent économiquement c'est plus intéressant de les enterrer, c'est ce qu'on va faire. Nous globalement, ici, nous globalement en France, bon, vous ne trouverez pas d'enfouissement d'éoliennes, pas de pales. Je suis aussi d'accord avec vous sur le fait qu'aujourd'hui, les usines de recyclage ne sont pas encore en capacité de traiter toutes les pales qui sont en fonctionnement. Mais c'était exactement la même problématique il y a quelques années sur les panneaux photovoltaïques. Et on voit que la filière PVC s'est mise en place et qu'aujourd'hui les capacités de recyclage, par exemple d'un panneau photovoltaïque, sont de 95% de la valeur et 99% du poids. Donc, il y a fort à parier que de toute façon les éléments vont se. Enfin, les filières vont se structurer. Voilà. Donc après, sur tout ce qui est acier, aluminium, ben, c'est des matières premières qu'on arrive à bien recycler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les constructeurs d'éoliennes rachètent à un très bon prix les éoliennes qui veulent récupérer. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus à l'heure actuelle. Une autre question? Ah oui, mais je vais aller vers vous parce qu'il y a des nouveaux personnes. Allez-y. Bonsoir. Je voudrais juste savoir, je pense que donc il y a des éoliennes qui ont été placées ailleurs que dans notre commune.
et l'impact justement sur l'environnement pour bah justement à, monter ces éoliennes, faire des chemins pour que les éoliennes soient installées, élargissement des routes, voilà, étant donné que à côté de l'Isandré, on est bien placé pour savoir que quand un engin agricole traverse la route, on ne peut pas passer un engin agricole plus une voiture à côté. Elle ne peut pas se doubler. Donc comment on fait pour, voilà, pour faire les travaux si on a installé des éoliennes? Et je pense qu'il y a déjà des éoliennes qui ont été placées, donc on doit à peu près savoir quel est l'impact sur le... sur les routes, sur, voilà, sur la chaussée qu'on doit refaire, les revêtements, etc. Peut-être, Michel, la réponse. Tout à l'heure, on a présenté la démarche. On n'est pas encore dans toute l'étude d'impact. Ça sera dans une deuxième étape. Actuellement, c'est seulement qu'une personne, une société qui dépose un projet. Rien n'a été fait. Donc, cette société va être contrainte d'avoir cette étude d'impact, et rien n'était fait par rapport à ça. Donc avoir vraiment... D'accord, mais je pense qu'il y a déjà un passif. Non, il n'y a rien. Mais est-ce que d'une région... peut-être une région, enfin, quand on installe une éolienne, on sait à peu près s'il y a 15 camions qui vont venir, s'ils font... Les routes sur toi, tout ça. Alors, sur le principe, c'est que normalement, ils doivent faire de l'aménagement qui va jusqu'à 5 à 6 mètres de passage de large. Ah ouais. De large. Donc, ça veut dire mettre de l'arbre. Comment vous faites? Alors, monsieur, vous n'avez pas le micro, mais c'est parce que vous connaissez la dame. Vous l'aurez après si vous voulez, levez la main, je vous donne la parole. J'ai dit tout à l'heure, vous détruisez nos routes. Madame, allez-y. Madame, allez-y. On fait comment? Madame, allez-y. Excusez-moi. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même élargir les chemins. Dans la zone de l'Isandré, c'est quand même des petites routes. Je vous dis encore, nous, on a des problèmes annexes aux éoliennes, mais quand on ne peut pas doubler un truc agricole, les routes ont voilà, donc je pense qu'il y a quand même des antécédents et qu'on doit savoir quelles sont les transformations. Il y a le monsieur qui a levé la main là-bas, sur le côté. Allez-y. Je repère aussi les gens qui n'ont pas encore pris la parole pour essayer de répartir un peu à chacun le droit de pouvoir s'exprimer. Bonsoir, messieurs-là. On parle d'environnement et de paysage. Je viens d'une région, je vous en parlerai, c'est la Picardie. Je suis ici depuis 8 ans à peu près, et il y a 14-15 ans, on a eu un projet d'éolienne qui est arrivé en Picardie, sur 3 communes, à peu près la même chose. Donc il y a eu 3 projets, projet de 4 éoliennes. Sur le village à côté, les éoliennes se sont mises en place. Alors les éoliennes, c'est une pollution visuelle de tous les jours. On soit bien d'accord, 150 mètres, c'était la hauteur des éoliennes en Picardie. C'est à peu près la moitié de la tour Eiffel. Alors on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne vit pas à côté, mais c'est énorme. La pollution visuelle, elle est énorme. L'environnement, le paysage, on les oublie un petit peu, parce qu'en fait, ces gros géants, ces gros moulins à vent, ils sont là en permanence, qui tournent ou qui ne tournent pas. Donc les beaux arbres, moi je suis arrivé ici, ça fait 8 ans, je trouve que la région est super belle. Je trouve que s'il faut préserver quelque chose, eh bien, il faut essayer de faire le maximum, parce que je vous assure qu'une fois qu'elles seront implantées, vous ne pourrez pas les démonter. Ce n'est pas de malgré que vous pourrez les démonter. Ensuite, nous, on a eu une alimentation, il a fallu faire des travaux. Il a fallu qu'ils creusent parce qu'il faut les alimenter, ces éoliennes. Elles fournissent du courant, mais il faut les alimenter tous les jours. Si elles ne tombent pas, il faut qu'elles aient du courant. Donc, la route a été faite. Une route, on passe à travers les champs. Tout à l'heure, on parlait de zone humide. On dit qu'ils ne peuvent pas passer une zone humide, mais ils peuvent la déplacer, une zone humide. C'est ce qui est arrivé chez nous. Voilà, elle gênait, elle a été déplacée. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a été quand même pas mal embêtés avec
je vous dis le paysage, les camions, c'est, je ne sais plus, pour couler du béton, je ne sais pas si ce n'est pas 50 toupies pour couler du béton, sans compter les camions qui vont venir ramener du granulat, les pelleteuses qui vont creuser pour faire des chemins, parce que ce n'est pas la petite route des villages que vous avez ici, hein. Quand il faut amener les pales d'éoliennes, c'est des SMIC qui sont énormes. Tous les jours, c'est des va-et-vient. Et le jour où les éoliennes sont là, ça c'est autre chose, vous avez beaucoup moins de travaux, mais vous avez autre chose. Je vous dis, c'est une pollution visuelle. Après, sur l'habitat, le tourisme, c'est bien de rattraper. J'arrête. Merci. Votre question ? Monsieur, là, devant, parce que depuis tout à l'heure, je... Ah non, non, mais je reprenais, je reprenais. Pas de soucis. On en revient, on est donc sur l'environnement. Sur l'environnement. Et Madame Bazin parlait tout à l'heure de zones humides. Alors, est-ce que l'étude très sérieuse qui sera certainement effectuée pourra déterminer, parce que comme dans une zone humide, elle est alimentée avec beaucoup de petites rivières, voire des micro-rivières, des sources qui vont être détournées complètement. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne parle pas que des sources et des petites rivières, je parle des petits cours d'eau qu'on a réussi à conserver tant bien que mal dans la région, qui sont un petit peu plus loin. Comment ils vont être alimentés? Plus alimentés? Est-ce que tout ça, ça sera pris en compte, puisqu'on parle environnement? Tout à fait. Alors, c'est ce que l'on appelle les fonctionnalités des zones humides. Donc, c'est effectivement, tout ça, c'est pris en compte. Donc, le diagnostic, c'est-à-dire, il y a deux aspects, c'est-à-dire la flore qui s'est développée et la pédologie, c'est-à-dire la composition du sol. Donc ça, c'est vraiment pour nous résumer, est-ce qu'il y a présence de zones humides ou pas. Et ensuite, il y a le deuxième volet qui est la fonctionnalité. Et là, je vous rejoins complètement. Des fois, juste, il suffit de construire les fondations d'une maison à un endroit pour couper l'alimentation d'une source à un autre. Ça, c'est clair. Enfin, ça, c'est justement... Les études sont très vigilantes là-dessus. C'est pour ça que je vous dis qu'ici, en Côte d'Armor, j'aimerais bien voir ça, parce que sur d'autres projets, ça m'arrangerait qu'on fasse des fleurs sur les zones humides. Mais voilà, nous, on n'y dérange pas. On est très vigilants là-dessus. Peut-être aussi pour répondre à la dame tout à l'heure qui a posé un problème d'accessibilité aux travaux et autres. Parce que c'est une chose qui m'est revenue. Des exemples sur la Savoie, des éoliennes qui sont en pleine montagne, il n'y a aucune route. Tout s'est fait par héliportage. Ah non, mais juste, ça se fait techniquement. Ils ont fait d'autres lieux. C'est une réponse technique, moi je ne juge pas. Monsieur Olivier. À propos des zones humides. Je voulais rebondir en tant que professionnel, parce que je suis agroécologiste et pédologue. Je suis déjà intervenu à la mairie de Troyes, à la mairie de Pléguien, face à un agronome, pour lui dire qu'on ne déplaçait pas les zones humides et que pour refaire une tourbière, il faut des dizaines d'années. On ne déplace pas une zone humide, c'est impossible. On va faire une mare ailleurs. Un petit étang ailleurs, mais ça ne fonctionnera pas du tout de la même façon. Merci. Et je suis tout à fait d'accord avec cette question. D'autres questions sur environnement paysage, madame, allez-y. Je voudrais. Vous n'avez pas le micro, on ne vous entend pas. Je crois que la ville de Ploix fait partie de Natura, la zone Natura 2000. Non. Alors la partie zone Natura 2000 est que sur la partie maritime. Il n'y a pas de Natura 2000 en zone terrestre. Ah oui, mais bon. Madame, devant, là. Ouais, par contre, Ploix et station verte. C'est ça, je crois. Quel va être l'impact, justement, par rapport à ce label que nous avons? Parce que... obligatoirement les éoliennes vont être vues du bourg, vont être vues de partout, vu où elles sont situées, elles vont se voir à des kilomètres. Je ne sais même pas si de la pointe de Ploix on ne les verra pas. Est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça peut avoir sur le label que nous avons et toutes les conséquences que ça peut avoir sur la commune? Une réponse à notre collègue en charge du développement durable, M. Jourdain. Et en charge de la gestion du label. Je veux dire, le label Station Verte, comme son nom l'indique, a plutôt été, vis-à-vis des communes rurales, le fait de pouvoir les promouvoir en matière de développement touristique dans des zones où il n'y avait peut-être pas grand-chose, et en milieu rural. Donc, les critères, moi je peux simplement donner les critères qui font qu'une
commune puisse être station verte ou pas. Et c'est essentiellement des critères, par exemple, d'hébergement, d'équipement touristique, de chemin de randonnée, des choses comme ça. Mais dans ces critères-là, je n'ai jamais vu qu'un parc éolien pouvait être quelque chose de rédhibitoire. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ça veut dire que le fait d'avoir un parc éolien sur Blois ne remettrait pas en cause le label station verte. Je connais des stations vertes avec des éoliennes. C'est pas un critère, je ne sais pas si je suis... Non, tout à fait. Une autre question. On passe à un troisième thème. Alors, monsieur, une dame là-bas. Allez-y. Dernière question. Bonsoir. En termes d'immobilier pour les riverains, est-ce que vous pensez un petit peu à nous savoir Madame, c'est le prochain thème. On en parle après. Alors, si vous voulez, vous attaquez le nouveau thème. Allez, madame. Alors, habitat, tourisme et économie. Allez-y, madame. Est-ce que la faune, c'est avant ou c'est maintenant? C'est dans l'environnement. Environnement, normalement, la faune. Allez, madame. Sur l'habitat. Allez-y, suivez-moi. En termes immobiliers, pour les riverains concernés, si appréhension pour construction de ces éoliennes sur les routes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des préemptions sur les chez les particuliers pour les agrandissements. Alors, là, vous posez une colle. Au niveau de la loi, peut-être certainement, je verrais mal un projet aboutir dans un tel contexte. Mais moi, je n'ai jamais eu le cas. Voilà. Alors, est-ce que vous dire que juridiquement c'est impossible en France, je ne serais pas catégorique là-dessus. Mais je peux m'enseigner. Non, je peux vous dire, c'est possible. Pour la préemption, sur un projet d'intérêt général, là, c'est une vision ministérielle qui fait que les alignements... Il y a d'autres exemples comme ça où, sur un projet d'intérêt général national, parce que c'est un enjeu d'énergie, le droit de préemption peut être acquis, mis en place dessus. Merci, c'est charmant. Je réponds comme juridique, je ne sais pas, je suis d'accord, hein. C'est bien clair. Hein. Il y a une dame devant là, au milieu. Bonjour, moi je voulais savoir comment ce projet-là était possible, en sachant que nous, quand on a acheté, les terrains étaient constructifs. Sur les zones dont vous parlez, et on nous a gentiment dit que nos terrains n'étaient plus zones constructives parce qu'il y avait des captages d'eau. Comment est-ce possible que, si le projet aboutissait, ils auraient la possibilité de construire des grands éoliennes? Projet d'intérêt général. Mais malheureusement, c'est purement juridique. Hein, on ne peut pas arrondir, on ne peut rien faire. Malheureusement, c'est des situations en France. Monsieur et après monsieur. Ouais, allez-y monsieur. À gauche d'abord, allez. Sans à gauche d'abord. Allez-y monsieur. Allez-y. Donc, bonsoir. Donc moi je voudrais parler, tout à l'heure, sur le point technique, on a parlé de la quantité de carbone qu'il fallait pour construire une éolienne. Il faut peut-être aussi parler de la quantité que ça va produire de carbone aussi pour la détruire, pour la défaire. Et finalement, le bilan carbone de tout ça. Parce qu'on va détruire une zone qui aujourd'hui absorbe énormément de carbone. Donc, ça serait peut-être intéressant de savoir la différence entre ce que va apporter le fait de faire des éoliennes en économie carbone d'énergie décarbonée, comme on dit, et dans le temps, sur 20 ans, et combien de carbone va consommer tous ces forêts pendant 20 ans, 40 ans, 60 ans, si on n'y touche pas. Là, je voyais sur les photos tout à l'heure des implantations, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'arbres, mais sur la zone Pléguien-Flourens, on est quand même dans un endroit où il y a énormément de végétation. Il y en aura plus, bien, oui. Alors,
S'il faut faire aussi des routes, moi j'ai entendu dire que les routes qui sont faites, les chemins d'accès, les semi-remorques peuvent faire demi-tour sur certains endroits dessus. Oui, dans des endroits. Voilà, c'est vous. Quel bilan carbone au bout du compte? Est-ce que c'est positif ou négatif? Voilà. Ah, ça sera dans les études d'impact. Hein. Dans les études d'impact, ils seront obligatoires de, à la fois de voir les conséquences que ça détruit et les conséquences que ça apporte. Toutes les études d'impact qui seront prises dans le processus, ça sera précisé. Il y a obligation de le préciser. Madame, je voulais revenir toujours sur du vécu en Picardie. Hein. On a eu la même chose, et les éoliennes ont été construites. Il y a des gens qui étaient ni pour ni contre les éoliennes, mais elles sont construites, ils ont voulu partir parce que ça les gênait énormément. Les biens baissent entre 15 à 30% des biens immobiliers. Minimum, suivant l'orientation de la maison par rapport aux éoliennes. Ça, il faut le faire rentrer aussi dedans. Après, je reviendrai sans doute sur santé et bien-être, parce que je faisais partie du conseil municipal, je peux vous dire que dans les villages, on s'est baladé pour aller voir les gens, et entre 15 et 30% de baisse. Mais ça pouvait aller jusqu'à 40% pour certaines personnes. Il n'y a aucun dédommagement. Monsieur, bonsoir. Plouin a une vocation véritablement touristique, puisque toutes les photos qui sont mises en avant sont des photos de paysages, de mer, de nature. Et la mise en place des éoliennes dans notre commune va avoir fatalement un impact très négatif de ce point de vue-là. Donc, quelle est l'orientation générale que nous souhaitons donner à Plouin? Est-ce que c'est une production d'énergie, un côté un peu industriel, qui va aller dans le sens d'un développement de la commune sur ces sujets? Ou bien est-ce qu'on va chercher à développer, continuer à développer le pôle touristique? Monsieur le maire? Il y a deux choses. Il y a le débat de ce soir, de redire qu'on est bien dans un débat de fond. Hein. On a posé un peu en préalable, peut-être sommairement pour ma part, mais les vrais enjeux de société. En tous les cas, la question de l'énergie, elle est réelle. Et puis après, il faut qu'on la regarde au niveau du territoire breton et notre territoire costa-américain. Et puis on sait qu'il y a les enjeux du mix énergétique. Tout à l'heure, d'ailleurs, je suis surpris ou pas, mais j'entends très peu parler du nucléaire. Mais en tous les cas, pour atteindre le mix énergétique, il faudra bien qu'on l'enclenche à un moment donné. Et pour l'instant, on n'y sera pas à l'horizon 2030 ou 2040 sur ce mix énergétique. D'ores et déjà, on n'y sera pas. Je n'ai pas donné mon avis, là. Je dis les enjeux qui sont les nôtres. Puis après, la question que vous posez, monsieur, le débat de ce soir, c'était pleinement celui-là. À savoir que, est-ce qu'on décide comme ça, parce qu'il y aurait quelques grands conseils ou qu'on déciderait, qu'on engagerait, je le dis de mes propos y compris, plutôt sur de la production d'énergie à tout prix, ça a été évoqué, hein, privatisation, et puis n'ayons pas peur du mot, hein, capitalistique. Ou est-ce qu'à l'inverse, en tous les cas, c'est les propos qu'on affirme et l'occasion des vœux, c'est plutôt celui-là, pas directement, pas à chacun, parce que je ne pourrais pas faire des vœux, mais en tous les cas, le message qu'on vous adresse, on est clairement engagé sur des grands enjeux de territoire, notamment des grands enjeux climatiques. Et lorsque tout à l'heure, notre collègue a posé la question du littoral, suite à la question, celui-là, il est premier. Et si on sait que le littoral est à protéger, on sait que c'est parce qu'on a un littoral protégé, le mieux possible protégé, en conciliant quand même des activités économiques, mais de façon intelligente, c'est ça qui nous garantit aussi en manne économique. En tous les cas, c'est ça qui nous permet d'avoir un tourisme que j'appelle populaire. C'est pas le cas partout. Mais un tourisme populaire sur un territoire protégé ou préservé, au mieux préservé. Pour ma part, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre, on se reverra sur d'autres sujets, évidemment au fil de mandat. Moi, je ne crois pas à la cloche. Je ne crois pas à la commune sous cloche. Il y a des choses à faire au mieux possible, tout en ne quittant pas les défis qui sont premiers. Le défi que vous citez, c'est celui de l'environnement. On peut le dire différemment sur les papiers, nous engager sur la transition écologique, nous engager sur les transitions énergétiques, c'est sur le temps long. Et je terminerai simplement avec vos propos parce qu'il est pertinent.
Et est-ce que nous, les collectivités, on ne pourrait pas être porteurs de projets alternatifs en termes d'énergie, mais à la condition, si nous, qu'on soyons les meneurs qui ont les clés. C'est un peu votre supposition tout à l'heure. Aujourd'hui, clairement, quelque part, c'est d'avoir de l'argent, non ? C'est des démarches qui ne sont pas philanthropiques, évidemment. De ma part, il n'y a aucune accusation avec ceux qui pourraient être tentés, puisque je connais bien ce milieu quand même pour parler des paysans ou des paysannes, et quand on regarde le niveau de retraite aujourd'hui, ça n'a pas été évoqué encore, mais ça peut se comprendre quand même, avec 500, 600, 700 euros, d'aller mettre un petit peu au bout pour finir la fin du mois, comme on dit, en tous les cas, avoir une retraite plus agréable. Et c'est tout ça qu'on doit mélanger ensemble, mais je redis, puis c'est pas une expression solitaire, hein, quelque part, le maire n'est que l'incarnation, et on fait ensemble, on coélabore, on coécrit, on va s'améliorer là-dessus. Moi, je fais le pari qu'on va s'améliorer là-dessus sur une coécriture collective, mais la mise sous cloche n'existe pas. Par contre, on a plein de défis simultanés, et moi, je crois aussi qu'on doit pouvoir, j'arrêterai là, mais puisque la question, c'est tourisme, pas tourisme, activité économique, comme on fait, dans le même temps, si on veut des citoyens engagés, si on veut des collectivités qui, là aussi, agissent, on a clairement quand même posé la question de la transition énergétique. Je ne veux pas plomber le débat, hein, mais elle est clairement posée, sinon on va pas répondre à tout. Et je vous dis que moi, j'aurais bien aimé qu'on pose globalement la question nucléaire, pas nucléaire, est-ce qu'on en sort, comment on le fait, parce que ça, c'est un vrai défi. Et je vois comment pratique le gouvernement aujourd'hui. En quelques années, ça descendait ou ça ne descendait pas. On a connu, enfin moi j'étais tout petit, hein, mais on m'a raconté, hein, les grands plans nationaux, de Gaulle, etc., enfin cette période où la France avait un politique du plan. On voit bien qu'aujourd'hui c'est une espèce de fausse décentralisation, et où on va dire un jour aux collectivités, mesdames, messieurs, il n'y a pas d'énergie chez vous renouvelable, et quelque part je ne voudrais pas que demain on soit quelque part, pas puni, mais en tous les cas, on nous pointe du doigt parce que les collectivités n'ont pas assez agi. On est bien d'accord. Ce n'est pas une position ce soir de ma part, en tous les cas, mais j'y reviendrai peut-être. Ce n'est pas oui et non d'ailleurs, parce que je veux que le débat se fasse, parce qu'on sait bien comment ça marche. Si un maire ou un conseil municipal commence à dire c'est plutôt oui ou plutôt non, c'est déjà engagé. Et moi je veux qu'il y ait un vrai débat. Par contre, je pointe volontairement avec vous, peut-être en insistant, un défi pour nos territoires sera engager aussi la transition énergétique. Je ne sais pas si j'ai répondu, monsieur, mais j'essaie de globaliser les choses pour. Parce que je pense qu'on a le faire, on doit le faire ensemble. Alors, question, monsieur. Oui, j'avais une question qui est en relation avec les deux, avec la technique et l'habitat. Il y a plusieurs possibilités d'énergie alternative. Vous êtes d'accord, monsieur du SDE. Si on met des photovoltaïques, je ne dis pas que ça polluera moins à la création au bilan carbone, on est bien d'accord sur le principe. Hein. Ça pollue tout autant à la fabrication et au traitement. Mais si on met des photovoltaïques à la place de mettre des éoliennes, on rentre bien, je pense, dans le critère de monsieur le maire au niveau quinquennal, par rapport à l'énergie renouvelable, on va dire, est-ce que ça engendre, là c'est à toute la salle que je pose la question, est-ce que ça engendre une moins-value sur les maisons. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être mieux placées. Par contre, on n'aurait plus la pollution ni visuelle ni sonore, vu qu'ici on a des toits en ardoise et qui sont de la même couleur que les photovoltaïques. Alors, maintenant, entre une éolienne et du photovoltaïque, je préfère du photovoltaïque à de l'éolienne. Oui, on fait les deux, donc c'est pas. Juste un point, effectivement, pour répondre. Sur la transition énergétique, la meilleure énergie, c'est finalement celle qu'on ne consomme pas. Et l'idée de la municipalité, c'est d'employer justement des travaux de rénovation énergétique de ces bâtiments. À ce titre-là, nous allons faire une rénovation ITE, isolation par l'extérieur de l'école primaire. Concernant justement la maison de la jeunesse et des associations, nous allons aussi avoir le toit qui sera équipé de panneaux photovoltaïques. Nous sommes évidemment dans cette démarche, on ne se retrouve pas sur un projet de parc éolien, mais pas à pas, nous travaillons justement sur cette démarche de rénovation énergétique.
Par rapport au photovoltaïque, tout à l'heure, monsieur le maire, vous parliez des problèmes financiers de retraite de l'école. J'en fais partie, je suis un peu au courant du problème. Mais il me semble que la Chambre d'agriculture, ça, c'est ce qui s'est passé notamment dans l'Aisne, dans l'Oise et ainsi de suite, a subventionné les panneaux photovoltaïques pour tous les agriculteurs sur les toits des hangars pour faire la production de courant. Moi, je ne sais pas, ici j'en ai vu aucun pour le moment. Vous avez à Tréfignon, là, un agriculteur qui a pris des panneaux photovoltaïques pour un élevage de poulets. J'ai des panneaux retour. Ça commence chez eux aussi de poulets. Alors, et puis, si je peux apporter une petite précision en fait sur le photovoltaïque, c'est qu'aujourd'hui, depuis octobre 2021, toutes les subventions autres que le tarif de rachat, le tarif d'obligation d'achat peut être considéré comme une subvention, à part entrer dans le débat. Ça ne sert à rien d'orienter le débat sur un sujet aussi modique. Mais en fait, toute subvention autre que le tarif de rachat aujourd'hui est interdite sur les centrales photovoltaïques. Donc voilà, ça. On ne peut pas faire. Je ne sais pas, parce que moi, quand je vais sur Internet, je regarde. J'ai toujours des trucs photovoltaïques payés à 100%. Alors non, c'est que je pense que vous parlez peut-être de. Alors, je sais pas. Je vais pas spéculer. Par le gouvernement, hein, c'est marqué plus de. Ouais, c'est pour ça. Je vais pas spéculer sur ce que vous avez vu, mais souvent il y a des constructeurs qui proposent effectivement le hangar payé par la centrale photovoltaïque, tout ça. Bah, globalement, en Côte d'Armor, avec un rayonnement de 1100 kWh par kW. Je pense que la production photovoltaïque ne paiera jamais le hangar. Mais je sais pas, apparemment l'année dernière, il y a quand même eu plus d'ensoleillement dans les Côtes d'Armor que dans le Midi. Le taux d'ensoleillement était plus fort dans les Côtes d'Armor que dans le Midi quand même. Mais il faut bien voir, justement, c'est pour ça que je ne parle pas d'ensoleillement, mais je parle bien de radiation, de production de kilowattheure au kilowattheure. Une autre question. Il y a un monsieur là-bas. Et après, là. Et à au milieu. Oui, bonjour, mesdames, messieurs. La question que je me pose actuellement, c'est quand on parle d'énergie renouvelable, aujourd'hui, il y a environ 8 éoliennes en France qui produisent sur des gentils 3 à 4% de notre consommation. Le gouvernement nous engage maintenant à avoir des voitures électriques. Bon, on va y venir. Je ne vois pas comment, même. Je ne parle pas d'hydraulique qui est bon pour 5%, mais je ne vois pas comment on va arriver à 50% d'énergie renouvelable. Mmh. Sinon, de diviser par deux votre consommation. Oui. Sinon, il n'y a pas de solution. Merci. Vous appuyez mon propos, monsieur, merci. Il y a un monsieur qui a un blouson beige là, au milieu, là, à l'arrière. Merci. Pour répondre au monsieur qui a demandé, j'ai calculé que 500 000 tonnes de CO2 égale une éolienne pour construire. Mais mon question, c'était pour les flores et faunes dans le parcelle là, est-ce qu'il y a un concern pour conserver des espèces rares, des amphibiennes, des choses comme ça? Et l'autre partie de la question, est-ce qu'il y a des exemples de restauration de l'environnement après la destruction d'un éolien pour le faire? Alors, dans un premier temps, pour répondre à la question sur la faune, effectivement, si lors des études environnementales, il y a des espèces sensibles, qu'on va appeler des enjeux forts, généralement, on part du principe que le projet ne se fera pas. On n'ira pas détruire de l'habitat. Il y a très peu de chances que ça puisse aller plus loin. Et la deuxième question, c'était sur. La remise en état. Oui, bah, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de vieux parcs
éolien qui sont en fin d'obligation d'achat. On a très peu sur notre territoire. On a les deux premiers qui vont arriver en fin d'obligation. Et aujourd'hui, les travaux qui sont plutôt menés, c'est pour faire ce qu'on appelle un repowering, c'est-à-dire pour remettre au fait des nouvelles machines en place sur les parcs existants. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu l'occasion en fait de démanteler pour le moment. Voilà. Le monsieur à droite, là, pour avoir pris la parole. Merci. Je pense que dans ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias, bon, poussé un peu peut-être par les lobbies ou autres, en fait, l'éolien, évidemment, c'est quelque chose d'important pour l'énergie renouvelable, mais on s'aperçoit qu'il pousse beaucoup l'éolien en mer. Et on voit en effet que sur certaines côtes, ça discute sérieusement parce qu'il y a les forts vents, il y a ce genre de choses. Enfin, bon. Ici, Saint-Brieuc, on a déjà, je crois, un projet de 60 éoliennes. Je pense qu'il y en aura un autre qui va arriver après derrière, parce que c'est là où finalement ça embête le moins de monde. La pêche est un peu problématique en ce moment. Maintenant, pouvoir, si on rajoute des éoliennes, c'est vrai qu'on va se retrouver un peu en sandwich avec une baie d'éoliennes en mer et en terre. Sandwich, c'est dommage. Pouvoir, on a quand même des très belles plages. On a quand même un lieu qui est magnifique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau label, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait nous protéger, appuyer auprès de la préfecture ou autre, en disant, voilà, on n'est pas au fin fond des terres de Bretagne, même si je les respecte, parce que c'est très joli aussi. Attention. Mais, ouais, mais voilà, enfin, on a quand même des super beaux paysages, on a que des égales, on vous l'a montré. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour finalement se dire, tiens, pourrissons pas notre terre, pourrissons pas notre lande qui est Alexandrée, et essayons de travailler en effet là-dessus pour mettre en avant. Ouais. Monsieur le maire. Alors, ça ne répond pas complètement à ça, mais ça donne l'esprit aussi, parce que c'est aussi comment on va travailler ensemble. Tous les cas, moi devant vous, ce soir, c'est un exercice qui est plein d'humilité hein, dans cette nouvelle fonction du mandat qui est le nôtre. Vous me faites penser à la voix des maires du littoral. Je livre une actualité, hein, il y a maintenant une quinzaine de jours, je me suis trouvé invité, c'est pas que vous avez des copains, c'est le maire de Ploie, hein, beaucoup d'humilité sur nous-mêmes. Hein. Invité avec une quinzaine de maires du littoral pour aller rencontrer à l'Olivier de la mer, Madame la ministre du Logement. Il y avait également les cinq présidents de PCI. Quand je dis ça, c'est parce que ça va rejoindre votre question sur le département ou la région, elle est comme elle est plutôt... oui, on va dire d'histoire paysanne, agricole, voilà, c'est sa réalité. Et puis aujourd'hui, on voit, nous, les élus du littoral, les maires du littoral, qu'on va avoir de vraies problématiques. Tout à l'heure, quand j'évoquais avec vous le recul du trait de côte, alors peut-être parce que ça peut faire sourire quand on est à Ploie et qu'on se dit qu'on ne va pas se prendre le palu sur la tête demain matin en allant se baigner. Sauf que c'est une vraie problématique qui est posée partout. On n'a pas non plus une commune avec le port en bord de mer, ou un port ou le bourg, ou le centre ou le cœur de ville en bord de mer. Mais on a quand même nos différentes plages, on a quand même notre port patrimonial de Gunzegal, on a quand même notre port de Brec, qui n'est pas rien. On n'a pas non plus une ville portuaire industrielle, je dis ça comme ça, qui c'est portuaire et industrielle. Nous, on est que... Il faut des fois retourner les désavantages en avantages. J'ai envie de dire, on n'est que rural littoral. Et alors, on n'a pas non plus des problèmes d'exploitation, de productivité, qui sont comme des ports, comme des ports littoraux. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a besoin, mais là, je me fais que le porte-parole de ma population et que le porte-parole des maires voisins. On a de vrais enjeux littoraux aujourd'hui, pas que sur l'énergie, mais littoraux. Où on va avoir besoin dans les jours, dans les semaines qui viennent, dans les années qui viennent, à se rassembler. Je ne vais pas le dire différemment publiquement que ce que j'ai pu dire dans la presse, ou que la population va être informée très prochainement. J'ai dans ce sens-là, quelque part, aussi tendu une perche un peu au monsieur maire de Pleuron, mais aussi président de l'Association des maires de France des Côtes d'Armor, en lui disant, mais monsieur le président, c'est urgent qu'au sein de l'AMF, il y ait une voie d'expression, une commission... Théodule, je ne sais pas, mais en tous les cas, que les maires
littoraux des Côtes d'Armor. Alors on dit le lobbying, j'en sais rien si je vais faire du lobbying, mais en tous les cas, que les maires littoraux, donc pour nos populations, on soit un peu entendus, parce que c'est disproportionné. C'est disproportionné par rapport à quelques villes moyennes, enfin Côte d'Armor, on n'a pas non plus de grande mégapole, mais Saint-Brieuc, ou des villes 10-12 000, 10-15 000, ou alors Centre-Bretagne, mais notre voix littorale n'est pas entendue. Je réponds peut-être pas sur comment on peut agir, mais j'abonde dans votre sens qu'on a une vraie problématique à agir. Le dernier point sur lequel, comme ça, vous ne serez pas venu pour rien, en général, moi non plus, je ne me déplace pas pour rien, et j'ai donc posé une question à Madame la Ministre en disant, mais c'est de l'information, hein, c'est du live, on est filmé, tant mieux, en disant, mais regardez donc, les écoles, on engage la transition énergétique, mais regardez donc, on vient d'être labellisé par d'intérêt patrimonial, mais regardez donc, on envisage, sur le littoral, hein, de conforter notre digue de Port-Moguerre, mais regardez donc, on ramène des services publics lorsqu'ailleurs ils sont démantelés, mais regardez donc, on investit sur ça, sur ça et sur ça, et une fois qu'on a tout bien fait ça, avec vous, hein, population, manque de bol, il n'y a qu'un truc à laquelle on ne peut pas toucher, c'est avoir un peu une ou deux maisons avec intelligence, dans ce qu'on appelle communes élégantes, nos dents creuses ou les SDU. Et voyez-vous, il y a là aussi une vraie question d'actualité sur l'urbanisme. J'ai tout simplement demandé à Madame la Ministre, est-ce qu'on pourrait avoir une lecture circonstanciée, c'est-à-dire très bien circonstanciée, ou appropriée, de la loi Élan littoral. Évidemment qu'on n'est pas pour bétonner, puisque c'est l'échange qu'on a eu avec vous, monsieur, tout à l'heure. On n'est pas pour bétonner, on n'a pas de bétonnage, on va dire, sur Ploie ou sur notre côte. À l'inverse, est-ce qu'on pourrait avoir un peu de latitude, une fois qu'on essaie de faire tout bien, pour l'intérêt général, pour densifier quand c'est possible. Je pense que les gens, plein de bon sens que vous êtes dans cette salle ce soir, on ne dit pas qu'on fait des HLM, on ne dit pas qu'on fait des bars, on ne dit pas, on n'est pas dans la folie des 15 000 avec la loi nôtre, hein. On dit tout simplement, est-ce que c'est possible dans quelques villages à étudier, est-ce qu'on peut densifier notre urbanisme ? Eh bien, j'ai une réponse très politique de la ministre, parce qu'elle en fait tous les jours de la politique. Mon cher monsieur, tous les maires autour m'ont dit c'est plutôt pas mal. Le nouveau maire de Ploie, il arrive, il dit des trucs un peu communs. La réponse était, ben écoutez donc, on va attendre le mois d'avril et on verra ce qu'on peut faire sur la prochaine mandature. Voilà, vous avez le direct. Une autre question ? Monsieur là. Bonsoir. Moi, je m'appelle Monsieur Orbat de Père-en-Poince, donc concerné par le projet d'éolien. J'aimerais savoir, compte tenu du fait que les éoliennes, si ça arrive à se faire, les maisons vont quand même perdre un certain pourcentage, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il est prévu une indemnisation ou pas ? Alors là, sur la valeur immobilière, je ne suis pas spécialiste de l'immobilier et je ne vais certainement pas m'engager sur la valeur de vos biens et sur l'impact que ça aura dessus. Je ne vous donnerai pas d'engagement là-dessus. Moi, je posais la question parce qu'en fait, les maisons, c'est souvent l'histoire de vie. Et ce qui devient notre patrimoine à la fin. Et là, en fait, on va perdre sans notre patrimoine, sur le travail de toute une vie, sans aucune compensation. Sans compensation, enfin, et encore. Alors, actuellement, j'aurai d'autres cas où je vous montrerai que justement, les ventes se sont faites et il n'y a pas eu de moins-value sur les maisons. Donc, actuellement, je n'ai même pas envie de rentrer dans ce débat-là, parce que ce sera toujours de toute façon une question d'acheteurs et de vendeurs. Forcément que toujours quelqu'un qui voudra... Ouais, excusez-moi, mais vous ne répondez pas du tout à ma question. De vous les vendre, de vous l'acheter la moins chère possible. Non, mais vous ne répondez pas du tout à ma question. Ma question, c'est est-ce qu'il y aura des indemnisations par rapport à un pourcentage qu'on pourrait perdre sur nos biens, c'est tout. Non, clairement non. Et là, je peux vous répondre clairement. Non. Donc, on n'a absolument aucun côté positif à accepter ce genre de projet. On a tout à y perdre. C'est votre point de vue. Enfin, c'est un point de vue pareil. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ce point de vue-là. Je pense que... vous soyez désolé, moi aussi, j'en suis désolé. Voilà, c'est ça. C'est, Merci. Par contre, en cas de, dans certaines situations, ça peut engendrer du bruit et autres, il y a des subventions possibles pour faire les travaux nécessaires à ce niveau-là. Ah
Par exemple, parce que je viens de la région parisienne, sur certains gros chantiers, ils ont les habitants qui avaient des maisons individuelles ont mis des subventions pour changer leurs fenêtres. Mais voilà, ça reste actuellement, actuellement, on a quasiment tout du double vitrage, hein, puisque dans le terme justement pour l'énergie, etc., on a tous plus ou moins rénover nos maisons dans la mesure de nos moyens et essayer de limiter justement notre facture énergétique et faire tout ce qu'il fallait pour faire les choses bien. Donc je pense que malheureusement, on sera obligé, si elles se font, de subir ces éoliennes à 600 mètres et 500 mètres, avec une belle vue dessus, quoi, sans compter, et que nos maisons n'auront plus aucune valeur. Encore la dernière question, sur la barre, et après on passe au dernier thème. Oui, alors j'ai une question, pas une question, une constatation. J'habite Pélin. Et Pierre Venec, il y a une personne qui a mis sa maison en vente. Les acheteurs avaient se présenté pour signer l'acte de vente. Et par malheur, je vais dire, ils sont allés à la mairie. Personne ne connaissait le projet. Ils sont ressortis de là, ils n'ont pas signé l'achat de la maison. Donc je pense que ça ne sera pas une maison. Mais ça sera des dizaines, peut-être des centaines de maisons de son endroit. Ce ne sera même pas une perte, ça sera une non-vente. On passe au thème suivant, santé, bien-être, population. Allez-y. Il y a un monsieur aussi derrière toi. Là, monsieur qui a le... Voilà. On a beaucoup parlé de l'impact écologique, l'impact sur les animaux, l'impact sur la faune, etc. Mais on n'a pas du tout parlé de l'impact du champ électromagnétique des éoliennes. Si vous regardez toutes les vidéos qui passent sur YouTube, sur n'importe où, etc., vous voyez bien qu'il y a des gens qui ont eu des éoliennes en France, c'est malheureusement 500 mètres. J'ai habité 20 ans au Danemark, elles sont toutes dans la mer. On n'est pas dégêné du tout par là. Mais quand vous avez, si vous écoutez, vous avez une éolienne à côté de chez vous, et les gens ne peuvent plus vendre, comme on l'a dit, ils ne peuvent plus vendre, parce qu'ils ne peuvent plus dormir, parce qu'ils ne peuvent plus dormir, leurs enfants ne viennent plus en vacances, ne viennent plus du tout, parce que le bruit est trop fort, d'abord le bruit, le champ magnétique, le stress, les gens, il y a une dame qui disait l'autre jour, mon mari ne fait que plus son jardin, il est devant sa télévision. La population de Plouin est quand même assez vieille, on est tous vieux, moi je suis, j'ai 71 ans, parce que pas plus. J'ai acheté ma maison il y a 10 ans, ma famille est dans le désindré depuis 120 ans, c'est ça. Donc on est des retraités maintenant, vous voyez, j'ai toutes les soeurs, mes frères et soeurs, là, on est tous des retraités, on est bien là. Mais on va se retrouver un peu comme tout le monde, comme la population de Plouin, et les jeunes ne viendront pas, parce que quand ils auront vu ce qui se passe, ils ne viendront plus. Et donc, on deviendra de plus en plus vieux. Bon, c'est pas grave, un jour, on partira. Monsieur devant, là-bas. Si. Moi, je ne voudrais pas poser une question, je voudrais vous apporter mon témoignage. J'ai découvert ce projet tout début septembre, quand ma voisine est venue m'informer. Et Monsieur Lucas, je vais vous donner un petit éclairage, parce que vous dites qu'il y en a qui font n'importe quoi sur l'éolien, et c'est pour ça que ça a mauvaise presse, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'en fait, le gouvernement s'y prend hyper mal en donnant tout pouvoir, en disant que c'est une priorité, qu'il peut planter des terrains, qu'il peut s'implanter à 500 mètres des maisons. Parce que moi, ce que j'ai vécu pendant 3 jours, en fait, c'est que j'habite en face, je bois du pavillon, et j'ai imaginé cette éolienne pendant 3 jours, j'ai pas dormi. Mais j'ai pensé qu'à ça, en fait. Et quand je vous disais pas dormi, c'est j'ai pas dormi 1 heure, 2 heures, j'ai pas dormi, j'arrivais pas. Et j'ai rencontré donc le maire de Plouin, et je m'y suis très mal pris, parce que j'étais à bout, en fait. J'étais à bout d'imaginer, elles sont pas là. Hein. Et j'espère qu'aujourd'hui, je suis très content quand j'entends monsieur le maire dire qu'il veut plus de solidarité, qu'il veut des projets responsables, préserver le bien de tout le monde. J'avais l'impression d'être une population sacrifiée, en fait, et qu'on faisait de moi quelqu'un qui, d'un seul coup, était anti-éolien.
Alors, moi, je suis pour la transition énergétique. Je ne suis pas contre ça. Mais moi, je pose la question, est-ce qu'on est obligé de sacrifier des populations? Est-ce qu'on est obligé de sacrifier la nature? Est-ce qu'on est obligé? Parce qu'on n'est plus comme il y a 15 ans, quand l'éolien, on ne savait pas ce que ça faisait. Aujourd'hui, on a des témoignages. Aujourd'hui, on a des éoliennes qui font 180 mètres de haut. Et on a des gens qui vivent ça mal. Il ne faut pas avoir un déni de ça. Et les projets, et tous les gens qu'il y a dans la salle, accepteront mieux ce type de projet s'ils sont bien faits. Nous, on ne dit pas non à, en fait, à ce genre de projet. On dit non ici. Ici parce que. Et on a des arguments. Et nos arguments, c'est préserver notre cadre de vie, préserver notre nature, préserver nous. Moi, ma maison, je suis désolé, elle ne vaudra zéro, en fait. Parce que je suis à 501 mètres du projet. Vous dites aujourd'hui, on n'a pas idée. On s'est fourni, nous, des documents de porteurs de projet. On a vu des implantations théoriques des éoliennes. On sait quel propriétaire terrien, on dit oui. Donc on sait où elle pourrait être. Donc on sait comment on pourrait être impacté. Et les puissances qui sont sur les documents des porteurs de projet, aujourd'hui 3,6 mégawatts, tellement j'y connaissais rien au début, je disais gigawatts. Donc 3,6 mégawatts, c'est 180 mètres de haut. Le temps que le projet se fasse, ce ne sera pas minimum 180 mètres de haut. 180 mètres de haut à 500 mètres de ma maison, moi, j'imagine même plus vivre ici, en fait. Mais je pourrais même plus la vendre, je pourrais même plus partir. Et en fait, on se sent prisonnier. C'est pour ça que je pense que l'éolien commence à avoir mauvaise presse. Il y a eu un déni pendant trop longtemps des conséquences sur les gens. Et on n'arrive pas à avoir des projets qui se font correctement. Si vous les faites correctement, vous aurez bonne presse et vous arriverez plus facilement à apporter vos projets au bout. Voilà, merci. Vous avez fait un procès d'intention sur mes actions. À aucun moment, je n'ai émis quelconque déni sur les impacts des éoliennes. J'ai même dit au contraire qu'il fallait que ces études d'impact soient prises en compte. Je n'ai jamais dit l'inverse. Là, je voudrais qu'on évite le procès d'intention. Encore une fois, je l'avais dit en préambule, je ne suis pas là pour promouvoir l'éolien. Je ne suis certainement pas là pour imposer l'éolien. Je n'ai pas le pouvoir et je n'ai pas la prétention de pouvoir le faire. Donc, juste, s'il vous plaît, essayez de respecter ça. Je suis désolé, mais vous êtes notre interlocuteur ce soir. C'est parfois un peu tourné contre vous. Non, je suis conseiller technique des élus. Je ne suis certainement pas votre interlocuteur. Autant pour moi. C'est totalement différent. Autant pour moi. Oui. Monsieur à gauche. Simplement, monsieur l'animateur, comme on disait avant Roger Landrac, c'est ça qui animait l'épisode étoile. Non, voilà, simplement, dans les propos qui ont été de bonne tenue ce soir, effectivement, je comprends l'émotion. Hein. On comprend l'émotion des êtres humains et c'est pas grave de se dire. Et bien sûr qu'effectivement, M. Lucas joue un rôle de, ce soir quand même de un peu de se prêter au jeu du punching ball gentiment, mais en tous les cas, je le ferai à la fin, mais je salue quand même le jeu qu'il fait pour nous ce soir. Donc, allez-y, monsieur. Oui, bonjour. J'avais entre les mains un témoignage du docteur Pierre-Claude Joncourt, qui est un riverain de Perrenpoint, ça fait quoi. Comme il aurait pu être absent, il nous a transmis un courrier. Et donc, moi, je souhaiterais vous le lire. C'était ce témoignage concernant des nuisances ou des effets sur la santé. Oui, je ne sais pas si vous... Je vais recommencer alors. Donc, j'avais entre les mains un témoignage du docteur Pierre-Claude Lejoncourt, qui est un médecin spécialiste en radiologie et qui est donc un riverain de Perrenpointe à Ploie. Donc, il n'aura pu être présent. Il a souhaité qu'on puisse lire son courrier pour alerter un petit peu sur les soucis que ça peut engendrer. Alors, je vous le lis, c'est un peu... Madame, Monsieur, après une étude approfondie, notamment auprès de l'OMS et de l'Académie nationale de médecine, il est aujourd'hui démontré que l'implantation d'éoliennes à proximité des habitations induit des troubles physiologiques et psychologiques sur le corps humain. Il ne s'agit pas d'une maladie à proprement parler, mais d'une multitude de signes cliniques qui génèrent une souffrance existentielle pouvant varier d'un individu à l'autre, regroupé sous le vocable syndrome éolien. Celui-ci se manifeste par des insomnies à répétition, des troubles de l'humeur, irritabilité, des acouphènes en rapport avec les infrasons, des tachycardies, des vertiges et des nausées, des maux de tête, une agression visuelle, effet stroboscopique, dynamique d'ombre des pales, une grande fatigue persistante, une énurésie chez l'enfant, parfois une issue indésirable de la grossesse, et surtout une détresse psychosomatique se traduisant par un état dépressif
liée souvent à la dévalorisation des biens. Ne croyez pas que l'impact de ces dérèglements est imaginaire, comme certains le prétendent. Ceci a été vérifié grâce à de nombreux témoignages s'inscrivant de facto dans la charte de l'environnement de valeurs constitutionnelles. Droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. Les conséquences sanitaires d'un tel projet sont dorénavant reconnues par la justice. Jugement de la Cour d'appel de Toulouse du 8 juillet de l'année passée. De ce fait, le principe de précaution doit s'appliquer dans le cadre de la construction d'aérogénérateurs sur la commune de Foix, même à 500 mètres minimum de l'habitat, ce d'autant plus que plusieurs pays européens ont fixé cette limite à 1,5 km, à plus d'un kilomètre 5. Enfin, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, notamment l'impact des terres rares décelées par près de plusieurs parcs éoliens, sans oublier l'émergence éventuelle de champs électromagnétiques à intensité élevée. Ainsi, la mise en danger de la santé et de la vie d'autrui est passible de sanctions pénales. Voilà ce qu'a souhaité vous faire passer comme message, monsieur Pierre Mélenchon. Merci, monsieur. À droite, une personne. Je voulais revenir un peu sur le vécu que j'ai eu. On a eu le même problème. Les éoliennes ont été construites dans les villages à côté, donc on était à peu près à 1 km, 1,2 km des éoliennes. Il y avait des gens qui vivaient à peu près à entre 500 et 800 mètres. Les gens de l'association sont venus nous voir pour nous dire venez voir ce qui nous arrive ici dans le village, parce que ça commençait à prendre des proportions assez importantes. Les éoliennes ont été implantées depuis 6 à 8 mois environ. On a été voir des gens, on a été voir des personnes qui étaient chez eux, un monsieur qui ne voulait plus sortir dans son jardin, qui fermait les volets du côté des éoliennes. Il laissait les volets ouverts de l'autre côté, mais il ne voulait plus les fermer. Ensuite, j'ai été voir d'autres couples. Le monsieur avait abandonné son jardin, il ne faisait plus de jardin. Alors que depuis qu'il était jeune, et jusqu'à sa retraite, il a toujours fait du jardin. Les jours, ils étaient ni pour ni contre les éoliennes, ces gens-là. Ils ont simplement subi les éoliennes. C'était fini pour eux. Il y en a un autre, il ne voulait plus aller manger ni voir la télé dans la véranda. Donc pour ça, on arrive jusque-là, et c'est vrai, c'est que le courrier, moi, il m'a fallu un long moment avant de comprendre ça, que ça jouait sur les gens. C'était pas... C'est, les gens changeaient complètement. Et j'ai eu 3 couples comme ça. Voilà. Une autre question ? Peut-être la dernière, au fond, tout au fond. Oui, moi je voudrais intervenir, alors ça mêle un peu la technique et la santé. Il me semble qu'une éolienne est mise en route à partir de 10 km/h pour que ça fonctionne. Peut-être que je me trompe, mais ça doit être à peu près ça. C'est un équipement qui produit donc de l'énergie intermittente, donc au gré du vent, hein, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas, et qui sur une année en moyenne produit, a priori, hein, d'après des données, 25% de sa puissance installée. J'ai avec moi un graphique extrait d'une présentation de Jean-Marc Jancovici. Je pense qu'ici, il y a quelques personnes doivent le connaître. Il est ingénieur conseil en énergie climat et membre du Haut Conseil pour le climat. Il intervient souvent et on peut voir de nombreuses conférences très intéressantes. Il a présenté un graphique lors d'une commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité au Sénat. Ce graphique, donc, c'est des physiciens en fait, qui ont récupéré les données de puissance injectées sur le réseau par le parc éolien européen, auprès des différents fournisseurs, dont le RTE pour la France. Et en fait, sur 6 mois, en production, on n'est jamais à mieux que la moitié de la puissance installée. Mais c'est sur 6 mois, ce qui donne une moyenne complète sur l'année, donc des 25% dont je vous parlais. Donc il faut clairement contrebalancer donc pour arriver au fameux mix énergétique dont tout le monde parle en ce moment. Le ministère de la Transition écologique a proposé le 5 décembre 2021 10 mesures pour un développement maîtrisé et responsable de l'éolien, dont la suivante qui a retenu mon attention, le bridage sonore en cas de dépassement des seuils autorisés.
Alors, il développe rapidement, hein, contrôle systématique du bruit à partir du 1er janvier 2022 et plan de bridage pouvant aller jusqu'à la mise à l'arrêt de l'éolienne. Donc, outre le fait que Madame Pompili, ministre de la Transition écologique, avoue et reconnaisse par cette mesure les nuisances sonores que provoquent les éoliennes, c'est étrange de proposer une mesure de bridage pour des équipements qui produisent seulement un quart de leur puissance installée. Donc, cela étant dit, pourquoi installer des éoliennes alors de 150 ou 180 ou 200 mètres, on ne sait pas trop, de haut, à 500 mètres des habitations qui vont forcément créer des nuisances sonores du fait de leur proximité des habitations. Elles devront forcément être bridées, hein, si on en suit les recommandations, pour une production d'électricité qui va être encore réduite. En comparaison de ce que représente le coût de fabrication d'installation d'une éolienne, cela vaut-il vraiment le coup de gâcher la vie des Plouatins, de gâcher nos sites naturels abritant une riche biodiversité, on en a parlé, et de gâcher le commerce local, hein, car quel vacancier voudrait passer ses vacances à côté de ces monstres d'acier ? Merci. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je crois qu'il y aura d'autres moments pour approfondir. Hein, c'est des pratiques qui ont été posées. Un petit point qui devrait être personnel. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'arguments qui ont été portés ce soir qui sont forts. Ça tire l'attention quand même sur le fait que autant un décideur pour entendre les problèmes de santé, autant un décideur pour entendre les problèmes de baisse de prix d'une maison, mais il y a quand même des domaines pour faire attention, parce qu'on a souvent quelquefois pas des a priori, mais des situations qui n'ont pas été approfondies. Exemple sur le tourisme. Il y a des exemples concrets où il y a des éoliennes et ça n'a pas baissé en rien, sinon plus, ça a augmenté le tourisme. Donc, je veux dire que... Attendez, laissez-moi finir. Je ne coupe personne. Écoute, ça va finir seulement un argument qui soit porté, qui soit valable, vraiment travailler en profondeur. C'est ce que je veux dire. Parce qu'ils auront toujours en face des personnes qui trouveront un argument qui sera, à mon avis, en équilibre. Je pense que les arguments sont forts ce soir pour pouvoir aussi essayer de contre, hein, chacun mettra son avis. Mais je dis attention au fait qu'il est important qu'un argument soit vraiment étayé. Par exemple, Madame Kremsler l'a fait, là, elle a détaillé cet argument. Et je pense que c'est important, et non pas de déclaration tout à fait, je dirais, linéaire. Excusez-moi, moi, mon argument, c'est que j'habite à 800 mètres des éoliennes si ça se fait, et que j'ai 3 personnes dans l'attendante. Alors vous imaginez les sons là ? C'est mon argument, et que je pourrais pas vendre parce qu'on pourra pas partir, et que j'investis tout mon argent, et qu'on en vit du là, nos enfants, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ce que je dis, tous ces problèmes de santé, tout ce qui est problème, là, je suis que. Je suis d'accord. Mais ils peuvent venir hein, s'ils veulent. Je dirais que c'est plus long. Quand je dis ça, c'est pour renforcer les questions ou les problématiques qui sont posées. Monsieur le maire, est-ce que vous avez le mot de la fin ? Dès qu'on dit c'est la fin, ça y est, on sent les frustrations arriver. Mince ! On a oublié de parler. Allez, je vais vous voir, non mais c'est une première, et puis c'est tout. Allez ! Allez, dis trois questions, là. Donc, moi, j'aurais voulu savoir, sur les trois projets en cours, s'il y a un qui est refusé, qu'est-ce qu'il en serait des autres ? Il y a qu'un projet existe, non ? Il n'y a pas d'autres projets pour l'instant. Donc il y a trois communes. C'est vrai qu'il y a trois communes, mais le projet il est le même pour les trois communes. Et comme on dit tout à l'heure, s'il y a une commune qui refuse, ou les trois communes qui refusent, ou deux communes qui refusent, aussi bien, c'est qu'un avis qu'elle donne. C'est le préfet qui décide. Donc voilà, c'est pas la commune. Elle donne un avis, et après, elle est obligée d'être suivie. Allez-y. J'aurais voulu savoir, par rapport le vote est le 24 janvier pour la décision au conseil municipal. Comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on vous fait passer qu'on est contre ou contre ce projet? Est-ce que le conseil est public? Le conseil, oui, mais il faut être
disponibles au travail. Peut-être pas tous, mais... Ah, jamais. Le conseil municipal est à 18h30, donc c'est en soirée. Mais on travaille, moi je travaille. Aujourd'hui, je me suis libérée exprès pour venir. Monsieur le maire. Madame, j'entends. Une dernière question, peut-être. Allez. La dernière. Ce n'est pas une question. C'est pour, justement, par rapport au tourisme. En fonction des lieux, c'est vrai que les éoliennes n'ont pas d'impact sur le tourisme. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a rien en tourisme. Oui. Et quelque part, les éoliennes peuvent devenir une source de tourisme. Le tourisme industriel, ça existe. Donc, il y a des endroits où il n'y a pas... un fort potentiel touristique, ça fait une attraction et les gens peuvent s'arrêter pour voir les éoliennes et ça peut développer le tourisme dans certaines régions. Elle n'a de valeur que ce que j'ai trouvé sur Internet. C'est une enquête qui a eu lieu dans l'Indre, donc par un office de tourisme et différents sites touristiques. Donc, c'est une enquête qui a eu lieu sur 1280 touristes qui ont été accueillis dans les gîtes. On leur a posé la question suite à puisqu'il y allait avoir une implantation d'éoliennes. Et la première question, si les éoliennes sont visibles depuis votre lieu de départ de nous, qu'est-ce que vous faites? De 0 à 2 km, 97% ne viennent plus. Donc il faut quand même voir que les éoliennes qu'on va avoir, limite grand étang, on est à moins de 2 km à vol d'oiseau. Hein. De 2 à 10 km, 95% ne viennent plus. Donc là, on englobe le bourg de Ploie, puisque depuis plus loin, on verra ces éoliennes. Je pense même que du côté de, au-dessus du Palu, tout ça, on arrivera à les voir, vu la hauteur qu'elles vont avoir. Après, bon, au-dessus de 10 km, je ne vous explique pas, ça n'a pas grand intérêt, on passe complètement de côté de Ploie et on ne verra pas. Les éoliennes visibles depuis votre lieu d'activité. Ça aussi, c'était une autre question. On a pas mal de randonneurs quand même sur notre région. De 0 à 2 km, 71% ne viendraient plus. Et de 2 à 10 km, 56% ne viendraient plus. Alors, elle n'a de valeur que ce que j'ai trouvé sur Internet. Ça n'a été fait que par un office de tourisme de l'Inde. Mais on prend peut-être un risque, nous, par rapport à notre économie qui est quand même en partie basée sur le tourisme et sur par rapport... à l'avenir de notre vie. Bon, ça, vous comprenez ce que je disais, le fait de travailler sur le fond d'argumentaire et non pas sur des déclarations. Parce que, prenez l'exemple, pas très loin d'ici, à Clouisy, il y a des éoliennes, il y a des chemins de randonnée et tout le monde y va et ça ne pose aucun problème. Donc, c'est pour ça que je dis attention à l'important, c'est l'argumentaire et c'est la profondeur de l'argumentaire, c'est pas une simple déclaration. Il y en avait un monsieur là-bas, le dernier. Oui, moi je reviens sur la production des énergies renouvelables. Oui, je reviens sur la production des énergies renouvelables. Donc on nous dit énergie propre, etc. Dans le monde, il y a beaucoup de pays, bon, je vais participer à l'Australie, où on est à 50% au moins de production éolienne, où il y a des blackouts sans arrêt. Pour combler ça, ils construisent des centrales thermiques au gaz. Alors je ne pense pas que ça soit une énergie très propre. En Europe, on a l'exemple de l'Allemagne qui arrête le nucléaire, qui est sur l'éolien, qui fait tourner des usines à charbon, qui va créer des centrales à gaz. Donc moi je pense qu'on prend le problème à l'envers, parce qu'on veut faire de l'éolien, on veut faire tout ce qu'on veut, mais on ne va jamais arriver dans tous les cas avec les aires renouvelables à produire notre consommation. Voilà. Merci, messieurs, dames. Donc, nous arrivons au terme de cette réunion d'information et d'échange. Je tiens à remercier monsieur Gueux, qui a fait un bon travail sur l'animation ce soir. Je tiens à remercier aussi monsieur Guillet pour son éclairage sur la partie environnementale. Merci beaucoup, monsieur Lucas, pour votre expertise technique. Je tiens aussi à remercier évidemment monsieur le maire, justement, pour l'application de cette méthode. Il me tient vraiment à cœur d'avoir ces temps d'échange et de démocratie participative. Je vais, en concertation avec ma consoeur, madame Bazin, écrire cette délibération. Ce sera le fruit, justement, de vos interventions
tout en ayant en tête évidemment le bien vivre à Ploie et le bien vivre ensemble. Je vous souhaite une belle soirée.